C'est pas parce qu'on vit 20 ans qu'on se connaît autant. On est mal dit en parlant, le regard plein d'argent. C'est pas parce qu'on vit devant qu'on vivra mieux qu'avant. Sans savoir le portrait de mon John à jamais. 15 ans sans boire la bonne bière que samedi on faisait. Souvent même on vidait le bon vin qu'il amenait. Souvent au cours de nuit j'ai fait l'heure qu'il ramènerait. Qu'avant son regard de l'argent. Même j'ai dit en cherchant son sourire bien avant. Qu'ils entendent en voyant devant c'est le seul moyen de temps. Donnez, donnez. Même si t'es pas là. Donnez. Penses-tu à moi? Donnez, donnez. Même jamais là. Donnez. Je pense-tu à toi? Tu penses encore qu'on est amis. J'ai pas changé, j'ai pas gagné, mais je t'ai jamais laissé tomber. J'ai peut-être pas tout ton argent, mais la fierté j'en ai en dedans. Tu voudrais tant qu'on oublie tout. Tu fais la pute, tu te mets à genoux. Mais tu peux pas reprendre ta place. Oublie ta vie, avoir des faces. Tu as choisi, tu as renié. Même ton vrai chum, tu l'as snobé. On est arrivé dans le déblo. Je te reconnais plus, chacun son tour. Je vois plus ton nom dans mon hall of fame. Mais ta pauvre idée, hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Arrive, 19 juin, 62e podcast déjà, 62e. Je vais tout être mes levées du soleil aujourd'hui 5h15 et le coucher à 20h53 ce soir. Ça veut dire qu'on est dans le solstice d'été présentement, ça a commencé hier en fait. On a 15h38 d'ensoleillement de journée, c'est pas merveilleux, sur 15h38. Ça a commencé hier, je pense que ça va jusqu'à mercredi 15h38. Donc, on en profite de ces belles grandes journées-là pour sortir et prendre de l'air frais. Il fait beau dehors, il vente, mais il fait super beau. Fait que c'est ça. Là, j'ai checké ça à Montebello, le soleil. Là, quand il fait soleil, pas quand il fait de la pluie, mais en moyenne par année, il y a 2484 heures de soleil par année, qui donne 87,57 heures par mois en moyenne. Et là, je pense qu'on va en avoir pas mal ces temps-ci, fait que je pense qu'on va dépasser cette moyenne-là, en tout cas j'espère. C'est la 24e semaine de l'année déjà, 170e journée, il en reste moins, 46,58% de l'année passée. On arrive à mi-année. Puis la deuxième moitié risque d'être pas mal plus intéressante que la première. En tout cas, je l'espère. Fait que, n'hésitez pas, c'est live sur Facebook. Le podcast arrive. Maintenant, une nouvelle page que j'ai faite. Podcast arrive et les brasseurs de Montebello. Puis sur YouTube du podcast arrive également. YouTube, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Comme ça, toutes les fois qu'on voit un live ou des nouvelles, mais vous allez pouvoir voir ça avec la petite clochette. Vous cliquez sur la petite clochette puis vous allez voir ça. Vous allez pouvoir commenter avec nous aussi. Merci à tous les commanditaires encore qui ont permis ce merveilleux podcast-là. Et c'est ça, merci aux généreux qui m'ont prêté un nouveau PC aujourd'hui parce que le mien il est mort hier dans le glycol, malheureusement, à la brasserie. Un petit pépin technique, mais la bière est correcte. Faites-vous en pas. Alors, la mission du podcast, hein, c'est faire valoir notre patrimoine, nos artistes et la communauté et créer de la richesse. Comment on crée ça, de la richesse?
Comment on fait ça? Bien, investir dans la région. Investir dans la région, c'est ça qui est le principal, plus qu'à l'extérieur. Il n'y a pas de problème que vous achetez sur Amazon et aller à l'extérieur de temps en temps, mais si on dépense plus ici qu'à l'extérieur, donc s'il rentre plus d'argent qu'il en sort, on enrichit la région et les gens. Ici, bien, il sort plus d'argent qu'il en rentre, évidemment, bien, on s'appauvrit tout le monde ensemble, puis ça, c'est pas bon. Fait que c'est juste de la mathématique. C'est juste de la mathématique. Ça, vous avez un petit 20$ là, ou un 5$ ou un 100$. Mais c'est pire, ça, c'est mieux, je pense, qu'un droit de vote ou n'importe quoi. Vous pouvez décider où vous allez dépenser cet argent-là et investir à la bonne place. C'est vous autres qui avez le pouvoir entre vos mains d'investir ça. Je pense que de plus en plus, on voit que ça s'en va sur le bon côté. Les gens ont compris un peu, puis on s'encourage un l'autre. La richesse va revenir dans notre coin. Là, j'ai mis des pages. Hey, si, non, mais j'ai du beau monde aujourd'hui. En plus, on a le Véro et Fred qui vont venir pour notre dégustation. Donc, ça va être vers 11h30. Fait que manquez pas ça. J'espère que vous avez été chercher vos bières au Brasse Camarade. Sinon, il est encore temps. Ceux qui sont proches, allez chercher les trois dernières bières de dégustation. On va pas déguster à la façon biberon. Mais entre-temps, j'ai du beau monde ici. Je vais vous mettre ça avec mon petite caméra ici. Linda. Hein, Linda Breton. Ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, de Relâche Pépineau. Ben oui. Relâche Pépineau. Fait que ça va bien. Fait que il y a des nouveautés qui s'en viennent, puis ça bouge. En tout cas, j'espère que ça bouge. Oui, ça bouge. On peut en parler un petit peu ici, puis on a lancé notre deuxième année. Là. On est vraiment. Ouais. On avait commencé l'été dernier au mois de juin. Alors, tu vois, là, on vient juste de dévoiler qu'on poursuit pour une deuxième année avec toujours les mêmes partenaires. Alors, ça a été unanime. Les gens voulaient continuer avec nous. Alors, on a toujours Service Québec, SADC, Papineau-Colline, MRC Papineau, la Chambre de commerce, évidemment, Chambre de commerce d'Allée Petite Nation, qui sont les porteurs du projet. Et puis, en plus, pour la deuxième année, on a un nouvel partenaire qui s'est rajouté, c'est le député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, qui est également ministre de la Famille, ministre, on le sait, de la région de l'Outaouais. Alors, il s'est rajouté à l'équipe là, pour notre deuxième année. Okay. Alors, on va être toujours sur le terrain là, jusqu'à avril l'année prochaine. OK. Fait qu'encore un contrat d'un an. Oui. Est-ce que ça peut être renouvelé, ça, ou ça dépend toujours? Ça dépend. Non, ça. Il va selon l'évolution de la situation. Évidemment, nous, on avait créé cette table de concertation-là. C'était vraiment pour répondre à la pandémie. Alors, Relâche Papineau, on espérait évidemment aider les entreprises lors de leur relance. Évidemment, la dernière année, on a été plus... la pandémie a perduré plus longtemps que ce qu'on avait anticipé. Évidemment, c'était nouveau là, pour tout le monde. Ouais. Alors, on était un petit peu limités dans nos activités. On a fait, évidemment, des activités virtuelles, par exemple. On a fait des focus groups, on a fait des forums, on a fait des choses. Mais évidemment, on était limités. Là, on respecte toujours toutes les mesures en vigueur. Fait que là, on espère, avec le déconfinement, qu'on va être capable de faire plus des activités en présentiel et d'être encore plus présent là, sur le terrain. Ah, super! Puis, ben là, je vais céder aussi la parole parce qu'un habitué du podcast, comment c'est habitué, hein? Louis Biron, qui est DG de la Chambre de commerce. Je suis sur le payroll maintenant. C'est ça où tu sens la dégustation? Oui, il y a la dégustation. Oui, c'est ça. Ben, bienvenue encore. Hey, c'est ça, j'en profite pour dire. Mais là, hey, le monde, tu vois, Sophie Laflamme, allô, allô, allô. Ah, ça, c'est un jeu de mots. Ça, il faut le lire et le voir. Là, pour... Puis Louis, qui est juste celui-là, live. Oui, fait que, tu comptes pas de mentir. Non. C'est ça. Puis les gens qui écoutent, juste nous dire si les sons sont bons, s'il y en a un qui est plus fort que l'autre ou moins fort. Donc, on va pouvoir ajouter le son directement en place. Fait que je vais mettre toute la gang ensemble, comme ça on va pouvoir jaser bien tout le monde ensemble. C'est ça, vers 25, Véro et Fred vont se brancher, on va pouvoir commencer à déguster ces bonnes bières-là. Et il y a du cidre aussi aujourd'hui à déguster. Hey, Louis, j'avais une question. Ça fait combien de temps que t'es DG de la Chambre de commerce? Ça fait 2 ans en octobre, à peu près. Okay. Il y en a 3/4. OK, mais peut-être que tu as commencé quand même pas mal dans le En fait, quand j'étais arrivé à la Chambre, le premier mandat, si tu veux, que j'avais, c'était vraiment d'organiser le gala qu'on allait avoir au château okay. Le 14 mars. Puis le
c'est quoi, le 12 mars, je pense que la pandémie était déclarée. Ben, le chlorine était là, mais vous disiez que c'était confiné. On est obligé de. En fait, j'ai travaillé pendant plusieurs mois à recanceller tout ce qui avait été fait, tout le monde qui avait payé, les billets, là, en tout cas, ça a été toute une aventure. Un bon welcoming party, comme ils disent. Oui, c'est ça, c'est ouais. Ça. C'est le fun. En tout cas, t'es pas mal présent dans le cas. C'est comme un défi aussi en même temps pour toi. Tu fais connaître un peu, puis faire connaître la chambre surtout. Mm-hmm. La chambre, les gens la connaissent, je pense, mais ça fait quoi? C'est perçu comment, ça? Je pense qu'on a toujours du travail à faire là-dessus. Oui, c'est ça. C'est un éternel recommencement. Oui, c'est ça. Toi, Mélanie, Louis est là pour la dégustation. Ah! C'est drôle, la semaine de deux semaines, Mélanie goûtait la framboise et l'orange, elle l'aimait beaucoup. En fait, elle en goûte depuis ce temps-là. Mélanie, t'as sur tes commentaires. Oui, non, mais elle, parce que Mélanie, c'est sa portion de fruits. Oui, c'est vrai. Puis en framboise, je pense que toi aussi, tu l'aimes quand même. Oui, framboise, c'est populaire. Oui, c'est ça. Là, chez nous. En fait, c'est pas mal tout populaire. Tu as déjà goûté la framboise? Non, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de framboises là-dedans. C'est une bonne portion de fruits. Fait que ça, c'est toute ma variété de fruits parce qu'on a orange aussi, orange sanguine et pamplemousse. Il y a fruits, on a fait cerise l'année passée. Là, cette année, on n'a pas eu le temps d'en refaire parce que c'est ça, j'ai de la misère à fournir présentement. Mais j'ai un autre fermenteur qui s'en vient, j'espère, lundi, il arrive à Montréal. Si le dédouanage n'est pas trop long, donc il commence à avoir hâte de pouvoir passer. C'est le temps des fraises, tu ne pourrais pas faire une. À base de fraises. Eh bien, on dirait que tu vis dans mes pensées parce que la Mountain Daisy est populaire par chez vous, je vais voir. Oui. quelques individus. Oui, c'est ça, les individus. Ben, je vais faire une version aux fraises. Mountain Daisy aux fraises. Oh. Donc, ça, c'est la Mountain Daisy, c'est vraiment comme des chèques. Fait que c'est onctueux, il y a du lactose à l'intérieur, de la vanille. Puis, un petit peu les ananas, tout ça. Puis, ben là, on va rajouter des fraises dedans. Donc, ça va faire comme un shortcake aux fraises. Je pense que ça devrait être agréable. Mais c'est ça, je l'ai repoussé parce que là, je ne fournais pas. Tu sais, j'avais fait la Miss Betty à betterave, puis elle est partie en deux semaines. La 10 aussi, je l'ai brassé. Donc, la Victor, qu'on a sorti cette semaine aussi, Victor Limehart, qui est un bon succès aussi. Les gens l'ont bien aimé. Fait que Victor, c'est vraiment une bière blonde et avec une petite touche de vanille de rien dedans. Fait que c'est super léger pour l'été. La bière ou le château. C'est celle avec ton logo là, du Ouais, le bûcheron. Ouais, qui est Victor. C'est Victor Neimark. Donc, c'est le contremaître du chantier. C'est lui qui a construit le château. C'est lui qui a payé les petites vacances au curé au Vatican. Parce que là, il travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis le curé n'aimait pas bien ça le dimanche, que le monde travaille. Ben, en fait, il voulait même pas que les gens travaillent le dimanche. Non, c'est ça. Contre la loi, ils ont payé un petit voyage pour l'enlever de bien. Ils ont travaillé 7 jours. Oui, c'est ça. Fait que 3 mois plus tard, dans le château de la piste, puis lui, t'as venu, t'as bien compris. Tout le monde est content. Oui, c'est ça. Éric, beaucoup de canettes de pils aux framboises sont mortes depuis le passage de Mel au podcast. Et voilà, c'est ça. Donc, Mel n'aurait peut-être pas dû parler tant que ça. Et voilà. Fait que c'est ça. Donc, relance Papineau. Fait que vous avez une campagne estivale qui s'appelle « Pour une relance forte et durable ». Oui, effectivement, on a lancé ça il y a à peu près une dizaine de jours. Je te dirais, avec le déconfinement, à vrai dire, ce qu'on regardait, évidemment, le déconfinement, c'est le fun. Tout le monde est content, on a plus de liberté. On peut se déplacer, plus aussi entre les régions. Mais en même temps, eh bien, évidemment, la pandémie, on ne l'a pas souhaité et on ne voulait pas l'avoir. Par contre, ça fait ressortir, par exemple, des belles valeurs. Ça fait vraiment ressortir. On l'a vu pendant le pire de la crise. On a vu que les gens, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Fait que nous, on voulait faire quelque chose en allant chercher un peu le meilleur des deux. Alors, on a fait une petite campagne avec des autocollants que je vous montre ici. Là, moi, je relance... Je vais mettre ça. Ah, parfait. Moi, je relance Papineau ici.
Alors, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on disait, bien, c'est le fun, le déconfinement. Effectivement, les commerces aussi, hein, ils peuvent retourner à leurs opérations presque normales, entre du moins un peu plus normales. Alors, ça, c'est notre campagne estivale. Fait qu'on se promène sur tout le territoire. Louis a fait un bout de chemin. Moi, je me promène également. On essaie d'aller à travers toutes les petites municipalités pour remettre l'autocollant et encourager les gens à l'afficher fièrement, soit près de leur vitrine ou soit près des caisses, pour rappeler aux gens qu'effectivement, on est en déconfinement, c'est le fun, mais il faut garder nos bonnes habitudes. Comme tu mentionnais toi aussi au début, hein, c'est vraiment l'économie locale, c'est vraiment comme un chaînon, hein, c'est une maille de tous les acteurs de l'économie. Alors, c'est tant les commerçants, ce sont les fournisseurs locaux également, les transporteurs, ce sont les employés aussi, évidemment, ça amène de l'emploi sur le territoire. Évidemment, les consommateurs, quand ils achètent des services, quand ils font affaire avec des gens localement, ça l'aide à faire cette relance-là économique. Et également, ça a des répercussions partout, hein, parce qu'effectivement, avec les emplois, on parle de la construction, le domaine de la construction va super bien ces temps-ci. Fait que c'est tout ça qui fait vivre vraiment là, une économie locale. Alors, on encourage les gens, ça s'adresse aux entrepreneurs, aux organismes également sur le territoire, sur les travailleurs autonomes également. Alors, on invite les entreprises là, à l'afficher fièrement. Fait que nous, Louis et moi, on s'est promenés pas mal sur le territoire. Évidemment, on est capable d'aller à la rencontre de tout le monde. Par contre, on a des points cueillettes qui sont à peu près dans tout. Oui, c'est ça, j'ai vu sur le site aussi de la Chambre de commerce. Oui, exactement. Alors, si vous avez manqué notre visite, allez sur le site de la Chambre, sur le petit onglet « Relance événement ». Et puis, vous allez voir quels sont les points cueillettes. On essaie d'en avoir vraiment à travers toutes les petites municipalités. Et puis, si vous voyez également encore notre logo là, dans un commerce, ben profitez-en également pour les encourager en même temps. Et puis, on en a ici. Évidemment, on connaît ta générosité, fait qu'on en laisse aussi ici, au brasseur. Fait que si les gens sont autour et puis n'ont pas eu encore leur autocollant, ben, on les invite à passer ici. Les commerçants, là, venez-vous-en, on va vous donner ça. Il y en a plusieurs aussi. Je pense qu'il y a un point de chute aussi. Au bureau touristique, c'est ça également, parce que bon, la municipalité est encore n'est pas encore ouverte, il n'y a pas des heures étendues d'ouverture. Alors, au bureau touristique, aujourd'hui, on a des heures quand même assez prolongées. Alors, j'ai donné ça à Natacha, fait que les gens pouvaient aller la voir et puis elle va vous remettre là, les petits autocollants. Et puis, on a notre collègue Katia également qui, elle, sur Facebook, a fait un petit cadre. Alors, pour tous ceux qui sont présents sur le Facebook, vous pouvez aller modifier votre profil. On vous encourage à modifier votre profil, aller chercher le cadre. Vous pouvez faire une recherche sur Relance Papineau. Et puis, ça va vous permettre d'avoir également un petit bandeau sur votre photo de profil pour vous identifier. Fait que ça aide ça aussi à créer une mobilisation là, sur le terrain. Ben oui, j'ai vu ça aussi. J'ai changé ma photo de profil. Fait que je pense que moi, je relance Papineau, quelque chose comme ça. Hein? Oui, c'est bien ça. C'est cool. On a repris. Puis là, on a fait aussi même un petit concours pour l'été jusqu'au 8 juillet. Parce qu'on sait la générosité des commerçants. Quand on a fait notre promotion à Noël, même si l'automne avait été difficile, on sait que l'automne avait été difficile pour les commerces. Et puis, évidemment, c'était encore, insécure à savoir qu'est-ce qui allait se passer pendant l'hiver. Mais les commerçants sont toujours en rendez-vous. Les gens nous avaient donné des prix pour qu'on puisse faire tirer des prix aux consommateurs pour notre marché de Noël. Alors là, on a voulu faire un petit clin d'œil et puis plutôt permettre aux commerçants de gagner quelque chose. Fait qu'on on encourage les commerçants à se faire photographier près de leur autocollant, avec souhait près de leur vitrine ou de leur logo, peu importe, et nous envoyer leurs photos sur Facebook. Et puis le 8 juillet, on va faire tirer 3 prix de 100 $ pour les organismes, pour les travailleurs autonomes et pour les entrepreneurs qui ont participé à cette relance-là économique là, puis qui mettent bien en vue
le petit autocollant. Fait que ça donne de la publicité en, également, là, évidemment, de la visibilité sur les médias sociaux. Mm-hmm. Et puis, c'est les commerçants qui vont gagner un des trois prix là, de 100 $ le 8 juillet. Fait qu'on encourage tout le monde à participer. OK, puis ça, c'est sur la page de Relance Papineau? C'est sur la Facebook de Relance, c'est ça, mais qui est aussi le Facebook de la Chambre de commerce Vallée Petite Nation. OK, OK. On peut envoyer des photos là. Mais, puis en plus, je pense que c'est bien plus que c'est une bonne idée, puis c'est plus que 100 $ juste le fait de se photographier, puis avoir un argument aussi, de dire on partage, puis tout le monde ensemble, on va se relancer. C'est une bonne idée de. Oui, c'est rassembleur. Oui, c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose de rassembleur, de positif. Et on essaie de prendre le meilleur de nos valeurs, effectivement, de petite communauté, de solidarité, et puis mettre ça là visible pour toutes les autres régions également là, sur le Facebook. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée, c'est le fun. Faut que ça relance, hein, Et puis quand on a visité aussi, comme disait Linda, quand on est allé voir les entrepreneurs, là, même ceux qui, parce que dans la pandémie, il y en a que ça a bien été quand même, qu'il n'y avait aucune conséquence, même au contraire, ça a augmenté leur chiffre d'affaires. Mais tout le monde est très uni, puis ils sont contents de voir qu'il y a une campagne, il y a quelque chose qui se fait pour essayer d'aider ceux qui ont le plus de difficultés. Puis ils le connaissent, puis ils sont enclins à vouloir embarquer dans ces choses-là pour qu'on donne un coup de pouce à tout le monde, puis qu'on encourage nos gens localement, comme on a dit ça. Oui, c'est ça. Puis, ça fait quoi? Il y a eu la conférence de presse aussi pour lancer tout ça, pour une semaine, un mois peut-être? Déjà, oui, effectivement, c'était le 28 ou 31 mai, c'était à la fin de mai, effectivement, qu'il y a eu la conférence de presse. Et puis, comme Louis le mentionnait, le fait de se promener également sur le territoire, ça, c'est le fun, parce qu'on voit la rencontre des entrepreneurs sur leur terrain, parce qu'on sait, hein, on a fait évidemment beaucoup de virtuels dans la dernière année, fait que ça nous permet d'aller vraiment sur le terrain, de rencontrer les gens, puis effectivement, les gens partagent, là, et c'est quoi les difficultés qu'ils ont eues, mais également, les gens commencent à parler, à avoir aussi des projets pour le futur, parce qu'on espère tous, évidemment, que le pire est derrière nous et qu'on s'en va vers du vert et même peut-être du bleu. On nous faisait miroiter du bleu. Ben oui, on a une autre couleur. Hein, une autre couleur qu'on va rajouter à notre arc-en-ciel. Oui, Dr. Arruda, d'après moi, c'est ça. Il y a des prismacolores de ne pas passer quand il était jeune. Je pense qu'il s'amuse. Ça se peut. Rouge foncé, rouge pâle, bleu. C'est ça. Vert, il y a encore des restrictions. Je pense que bleu, là, c'est une autre étape. C'est une autre étape également. Fait qu'on commence déjà à mijoter sur nos activités pour l'automne. Évidemment, l'été, là, on se concentre sur notre campagne estivale. On commence déjà à ramasser des idées. Alors, les entrepreneurs nous disent, j'aimerais ça toucher tel sujet. Mes projets vraiment pour l'automne. Fait que là, on commence à mijoter là-dessus pour se faire un calendrier d'activités là, dès le retour en septembre. Mm-hmm. Fait que profitez-en pour nous. C'est le fun aussi de partager les bons coups. Parce que, comme Louis le disait, il y en a beaucoup qui ont eu de la difficulté, mais il y en a que ça a été un petit peu un tremplin. Ouais. Alors, l'idée, c'est d'en faire profiter tout le monde. Des fois, en entendant ce que les autres ont fait, ça nous donne des idées, puis ça permet de faire du pouce aussi sur ces idées-là. Mm-hmm. Et toi, Valence, est-ce que le monde communique plus avec toi par téléphone, par courriel, par... Les gens, oui, c'est ça. Il y a quelques fois, les gens nous envoient des questions sur le Facebook, mais pour la plupart, c'est vraiment par courriel. Okay. Alors, on commence à relance, à commercial, ccvpn.org, ou à notre numéro de téléphone, on prend les appels pendant la semaine et puis on rappelle les gens, là, soit la journée même ou à l'intérieur de 24 heures. Alors, n'hésitez pas là, à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on redirige les gens vers les bonnes ressources, vraiment. C'est ça. Les aiguiller. J'ai reçu un courriel cette semaine de Jessie puis là, avec un nouveau programme, je pense, avec la MRC. Puis on en reçoit beaucoup, fait que c'est difficile à dire est-ce que c'est un nouveau programme, est-ce que j'ai déjà fait ce programme-là ou est-ce qu'on est rendu dans ça aussi. Fait que je m'aide peut-être à démêler un petit peu tout ça en dirigeant à bonne place. Oui, c'est ça. On fait du démarchage des fois. Des fois, il faut faire évidemment aussi plusieurs appels pour vraiment fouiller puis vraiment bien cibler c'est quoi le programme. Fait que nous, on aide effectivement les entrepreneurs à faire cette démarche-là. Puis quand on a l'impression vraiment qu'on a
l'information qui peuvent les aider, ben là, évidemment, on les met en contact directement avec l'organisme qui peut les aider. Et puis, là, à partir de ce moment-là, du moins, ils ont un petit peu de débroussaillage de fait. Parce qu'évidemment, Relance, nous, on n'a pas de fonds comme tel. Nous, on est vraiment là plus pour aiguiller les gens vers les différents programmes. Mais on n'a pas de fonds comme tel. On aimerait bien ça, effectivement. Je ne suis pas pour Noël, mais ce n'est pas dans notre mission. Mais notre mission, c'est plus pour accompagner les entreprises et les diriger justement vers les bons organismes. Mm-hmm. Ben oui, c'est important parce que c'est comme si ce n'est pas toujours évident. Moi, je reçois de mon association de ci, de ça. Fait qu'à un moment donné, les programmes, c'est toujours le même qui se promène. Puis là, tu ne sais pas s'il y en a des nouveaux ou pas. De se tourner là-dedans, c'est spécial aussi. Mélanie qui dit, en étant solidaire avec nos entreprises, c'est la plus belle façon de leur dire merci et une belle valeur, non, vague d'amour envers eux. Mais oui, absolument. Puis, comme on disait tout le temps, c'est, comme tu disais, c'est, le monde sont pas été touché pareil. Hein, fait que c'est vraiment assez difficile de mettre un point commun parce qu'il y en a que ça a super bien été, puis d'autres, bien, que ça va très, très moyen. Donc, mais au moins, c'est ça, en partant l'été. Puis là, ben, il y a le soleil aujourd'hui. Je pense que ça va sortir aussi l'hiver, par exemple. C'est venteux, mais c'est le soleil qui est important. Fait qu'on sort dehors et on reprend des bouffées d'un fois. Avez-vous vu, on parlait de ça, le Canadien hier? Ça aussi, c'est une bouffée de... Oui, ben Non, je suis tombé endormi. Je l'ai vu après en reprise. Ah, OK, d'accord. C'est un bout qui m'a manqué. Ouais. T'as eu ben, du bon parce que quand je suis mon ami, il perdait par un jour. Donc, ça va être fini. Finalement, je suis venu, il avait gagné. Ben oui, c'est ça. Ben, j'étais vraiment content parce que c'est le fun au Québec que le Canadien, ça fait du bien au moral. Mais j'étais triste pour Marc-André. Et lui, il doit se sentir. Aujourd'hui, ça doit être l'enfer, comment il peut se sentir avec une erreur comme ça pour proposer le but. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pas la première fois. Au moins, c'est un vétéran qui sait comment s'en remettre aussi. Puis dans le Centre Bell, il y avait 3500 personnes. Ça fêtait beaucoup. Puis après ça, les caméras étaient dehors. Il y a tout le monde ensemble, les high five et tout. Puis là, il y en a un commentaire qui a dit ben, pourquoi ils ne rentrent pas en dedans, tu sais? Là, ils sont dehors, ils sont tous proches, puis ils se collent tous, parce que le Centre Bell, ils sont tous séparés. Fait que des fois, il y a des mesures, hein, c'est ça, tu essaies de contenir, mais dehors, c'est plus dur à contenir qu'à l'intérieur. Fait que peut-être que le premier ministre va se pencher sur cette question-là. Parce que le monde était content. Puis, il n'y a pas de l'air, je n'ai pas vu dans les journaux, mais et je pense pas qu'il y ait eu de débordement non plus hier. Ça va être calme quand même. Ouais, on est encore à 6 matchs de la Coupe. Ce qui était un peu stressant hier, c'est de savoir que le coach va l'appeler. Ben oui! Oui, ben là, oui! Il y a des joueurs des Lions, là, ça finit là. Ça en vit, c'est le Canadien, c'est là qui s'en va. Oui, c'est ça. Je pense à la finale. Oui, c'est ça, automatiquement. Il ne retarde pas rien, là, c'est l'autre qui passe en finale. Pour le moment, il semble que c'est le seul là, qui est touché par ça. Les autres ont été testés négatifs, alors, en espérant que sont à proximité. Ouais. C'est tous les coachs, c'est pas juste lui, mais tous les coachs, quand ils parlent aux joueurs, ils ont tous les masques, puis ils l'enlèvent pour parler. Puis, ça ne doit pas être évident de parler là-dedans pour essayer de parler aux joueurs en même temps aussi. Parce que c'est pas, je ne sais pas comment c'est son accent est aussi bon que le mien, mais des fois, les joueurs ne peuvent pas comprendre toute sa subtilité. Fait que c'est ça. Tu vois, il n'embarque pas là-dedans. Non, je ne m'entends pas. Tu parles de ton accent anglophone, pas européen. Bilangue. Ouais, parce que j'ai européen. Mais ils comprennent l'anglais, je suis convaincu. Parce que, ben, faudrait que je baisse mon masque. pour moi qui vois les mimiques en même temps. Mais c'est ça. Puis en plus, il y a eu sa deuxième dose de vaccin aussi. Fait que ça faisait 9 jours. Donc. Mais peut-être à Vegas qui a pris ça. Je cherche. Il faut rester dans sa chambre. Le Delta, peut-être le Delta aussi, je sais pas, le variant. En tout cas, on espère qu'il va revenir. Ça prouve qu'il faut continuer à faire attention. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas un bien fou tout le monde. Tu sais, les variants, ils en recommencent un peu là, de certains endroits. Fait, faisons quand même attention. On donne nos vaccins, on décolle tout ça, mais. Quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut juste plus faire attention complètement. Ben non, puis les autres en plus sont une bulle. Là. C'est super c'est ça, gardé, c'est puis ils font attention, c'est pas un peu pareil. Parce que ce qu'on veut pas, c'est retourner en arrière. Ça, je pense que personne, on veut tout aller vers l'avant, là. On ne veut pas retourner en arrière. Fait qu'on est prudent, optimiste, mais prudent en même temps. Ouais. Avez-vous vu Jeff Petrie?
avec ses yeux de vampire. Une chance que ce n'est pas le variant qui a fait ça, parce que ça aurait été peurant. Là, le monde aurait couru se faire vacciner. Ah oui, puis il faut dire que ça a fait mal, parce que c'est vraiment causé par sa blessure. Fait qu'un choc traumatisme, tout c'est en arrière, sous un conjoncte. Les messieurs sans rien comme ouais, avec les yeux rouges. Je sais pas si tu as vu la photo. Non, j'ai pas vu la photo. Ouais, écoute, c'est hallucinant quand tu le regardes. Il a vu qu'il avertisse ses enfants, ben c'est pas lui, c'est sa femme. Là-bas, il y a un petit look de méchant. Fait que ça a l'air qu'ils ont joué au super-héros comme ça. Puis là, vous êtes des super-héros, lui, c'est le méchant. Puis il est venu. Mais non, il fait peur. Il fait peur. Donc, au moins, il peut revenir. Mais c'est ça, il s'est fait disloquer deux doigts. Fait que je pense que ça n'a pas dû faire du bien à ce moment-là. Fait que je pense qu'il est en backstage. Je pense qu'on est dû. Là. Il est 11h28. Il y a Fred et Véro, évidemment, parce qu'on va péter de la broue. Péter de la broue avec Fred et Véro. On va les faire entrer. Hey, vous autres? Oui. Salut! Allô? Hey, vous avez changé de... Ouais, ben là, c'est parce qu'il y avait du monde dans la boutique, fait que là, il faut se réajuster, là. Ah, OK. Fait que, okay. C'est bon, il y a du monde dans la boutique. Ouais, mais eux autres ont le droit d'être plus proches que d'autres. Ouais, okay. Ouais. Hey, moi, je vous vois pas en tout, là. Je vois juste, c'est-tu normal ou... Oh, ouais, parce qu'on a tassé les affaires, c'est vrai, mais hein. Oui, il y a comme la moitié de moi. Peu, fait qu'on va réajuster les caméras, on va réajuster. Oui. C'est la... Louise, ici. Ça ici. Louis, es-tu capable de tasser la mienne un peu? Qu'est-ce qui est là? Comme ça. Comme ce côté. Je pense que tu t'en viens. Je vais attendre, ouais. Ouais, c'est ça. Oh. Chut. Ah, là. Là, c'est bon. Bon, on est revenu, toute la gang. On sent encore Louis, ça dépend comment il se penche. OK, bon, hey, on est bon, on est... Ah, oh, shit. Je pense que oui. Tout le long, je l'ai écouté, ça allait bien, puis là... Ça prend du power, ton enfant. Là, t'es-tu sur le Wi-Fi de où? Yes. Ah, je vais me mettre sur brosse camarade. Voilà, en haut. Ça marche. Un peu chaud de la... Ouais. Ah, c'est pour ça que ça marche plus. Nous autres, on pensait que c'était nous autres, là. Ah, merci de m'avoir appelé. Ben, veux-tu que j'écrive un commentaire sur Facebook ou... Ah, vous avez tous vos téléphones. C'est écrit quelque chose. OK, ça marche. Bye. Ils ont manqué d'électricité. Hein? Mais oui, pour rien, il marche. Montez bien. Vous en manquerez jamais. C'est à côté du CLSC. Mais ça ne dure jamais longtemps à cause de la ligne du CLSC. Ça, c'est parce que tu as trop fait de tremblement de terre avec Jacques. Oh! C'est la COVID ou? C'est la COVID? Il y a de l'air déçu. Est-ce qu'il n'a pas changé? Oui, tout est plus fort, c'est vrai. T'es moins ma mère, on dirait. Ah, c'est sûr. Hey, salut, Yann! Moi, ouais, mais là, il vient de manquer d'électricité. Fait que ça a tout buggé. Là-bas. Fait que là, on attend. Comment? Ben, sûrement que tu peux, mais là, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Ah, il nous voit puis il nous entend. Nous autres, on est encore connectés. Hey, merci. Salut.
Ah ben là, moi je suis pas bonne comme t'es électrisante, c'est pour ça qu'on est. T'es t'es-tu sérieuse, Patricia? Tu nous entends? Tu nous vois? Fait que ça veut dire que le podcast n'est pas déconnecté. Il y a juste eux autres qui sont déconnectés. Ça, c'est bizarre, ça. C'est ça, hein? Ah non, mais moi j'ai un client qui vient de dire s'ils réapparaissent tout nus, là c'est bizarre. Fait que bon, c'est ça. On attend. On va déguster des bonnes bières. Parce que ça dit oui, c'est bizarre. Bon, ben pendant qu'on est là et on ne sait pas quoi faire, on a une primeur. Dans une semaine, on va avoir les sites de la pomme perdue, pour ceux que ça peut intéresser. L'excellent site de Chenéville. Ben oui, c'est vrai. Ceux qui ne connaissent pas les pommes perdues, là, c'est Marianne et puis... comment ils s'appellent? Marianne puis Gaston Picoulet. Gaston Picoulet, qui font un cidre merveilleux. Ils ont gagné des prix aux États-Unis, tout ça. Puis en fait, ils sortent, on va l'avoir la semaine prochaine. Cette semaine ou la semaine prochaine? Le 24. Le 24. C'est un site, ils le font avec des pommes qui cueillent. On entertainait, Patricia nous a dit que les gens nous entendaient. Ah, oh, ouais. Bon! Ah, mais le podcast est resté, c'est pas pire, ça! Regarde, il y a plus de monde qui les aime, les deux, il faudrait que tu lâches ça. Ah, quand que oui, ouais. J'imagine que c'est Fred qui n'a pas lâché de parler quand on le connaissait. Ah non, il est bon, il a vraiment été bon. J'ai bien dormi aujourd'hui. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Patience, ils ont manqué d'électricité à Montebello, effectivement, mais ils doivent vanter chez vous aussi, mais j'y ai pensé, c'était pour être dangereux. Oui, donc ils m'ont écrit en disant Véro s'occupe de nous autres. J'ai eu tout le temps. Ah, mais c'est, pas vrai, c'est bon, good job. Je suis content que ça n'a pas lâché. Bon, ben Véro, qu'est-ce que tu en penses? Hey, j'espère qu'il y en a plein qui ont été achetés le six pack puis ils vont déguster avec nous autres aujourd'hui. Sérieusement, je pense que si c'est pas aujourd'hui, ils vont l'écouter plus tard, là, mais il y en a plusieurs qui vont acheter le six pack. Ils vont avoir besoin de la déguster. Excellent. Puis là, on commence. Ah, ben là, par exemple, tu vois, je ne sais pas si c'était là ou si tu as compris, mais hier, j'ai eu un petit problème d'une explosion de glycol et que mon ordinateur est mort. Hein? Il était noyé dans le glycol. Donc là, j'ai emprunté un ordinateur. Donc, j'ai Bill, il ne peut pas chanter deux autres bières. Ce n'est pas parce qu'on l'oublie, c'est parce que je ne peux pas. Ce n'est pas le bon ordinateur. On va y aller à bonne franquette, la première chanson. La première chanson. Là, OK, ici. Je vais commencer avec le cidre, hein? Oui, le cidre, le premier. Excellent. Oui? Okay. L'explosion de glycol, comment c'est arrivé? C'est quoi qui cause ça? Mais j'ai un tuyau. Les glycols s'en vont dans tous mes fermenteurs pour refroidir les fermenteurs. Puis, il y a un tuyau qui a complètement déboîté. Puis, ça a donné que j'étais à côté, avec pas loin de l'ordi. J'étais en train de brasser, fait que du glycol qui a tombé dans ma cuve de rétention un peu. J'ai perdu peut-être un 50 litres, mais ça n'a pas tombé dans la grosse cuve de transfert. Là, j'ai plus je jette celle-là, puis malheureusement, j'ai 50 litres, mais on s'en est bien débrouillé. Mais mettons que je peux te dire, c'est un petit peu sucré et gras, hein? Fait que mon ordinateur est mort, mais moi, j'étais mouillé en tabarouette, puis c'est pas très bon comme goût, non. Ça va être sucré, là, mais c'est dégueulasse. Elle a tout capté, la tisane, goûtait ça, histoire de brassage, ça c'est la première fois que cette histoire-là venait. Mais là, si ça arrêtait à fantôme, j'aurais mis ça sur le dos. Moi, si je m'en allais te demander si c'était-tu la fantôme, là, parce que, coudon, là, c'est une malédiction totale. Là. Ouais, non, mais c'est sans souvenir, par contre. Fait que, il va revenir parce que le monde commence à la manquer pas mal. Donc, oui! Elle revient, fait que je ne mettrai pas ça sur le dos, la sans souvenir. C'est, OK. C'est pour la sans souvenir, ça, c'est celle avec le visage. De, ouais, ouais. Les beaux cheveux, ouais, les beaux cheveux pleins de couleurs, puis qu'on ramasse de l'argent pour l'Alzheimer. Ouais. La société d'Alzheimer, c'est vrai. On commence ça avec le cidre. Ah, ouais, donc. OK, go. Commençons avec un cidre de pomme de la cidrerie Milton à Sainte-Cécile de Milton. Ce cidre est fait avec des McIntosh et des Spartan. Il est pétillant, naturel et accessible. C'est un cidre à 5% d'alcool, très rafraîchissant, un peu sucré. Les amateurs de Black Velvet aiment bien l'utiliser dans leurs cocktails. Il faut
il faut... Ah non, 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 excusez. Il fait partie Yam Nilton Star. Celui-ci est seulement à la pomme, mais il y en a un à pomme et cerise, au mur, pomme et mur, puis il y en a un au pamplemousse, puis là, il vient d'en faire un au citron. Je vous conseille de tous les essayer. Mon préféré, c'est celui à la mûre. Ah! Puis une genre, c'est quoi que déjà? C'est juste à la pomme, c'est ça? Là, c'est juste pomme. Oui, c'est juste pomme qu'on goûte. Pomme, 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 pomme. Let's start for the beyond. Tu sais, on est rendu là. Yes, sir. Let's start with an apple. With an apple a day, keep the doctor away. Oui. You know? Cider from the Cidery Milton in the Saint-Cécile. Saint-Cécile de Milton. Ça, Saint-Cécile, ça, elle a fait des miracles du Colin, mais on ne peut pas tout vous dire ça aujourd'hui. Ça, c'est backstage qu'on va vous compter ça. Et Saint-Cécile de Milton. Faut pas mélanger non plus, parce qu'on a refusé les Saint-Cécile, mais c'est pas la même chose. Alors, this cider is made with the McIntosh and Spartan. Donc, tu vois, c'est pas rien qu'une pomme, c'est deux pommes, tu vois. It is sparkling, a lot of sparkling, natural and accessible. It is at 5% alcohol by volume. Cider, very refreshing. A little sweet, not too much, not a little. Black velvet lovers like to use in their cocktail. It is part of the Milton Star range. This one is only with the apple, but there is one with apple and cherry, another with apple and the blackberry, and the last one with apple grapefruit. T'as pas mal de cerises, toi, de citron? Oui, c'est parce qu'il est nouveau, c'est le citron, et il existait pas quand j'ai écrit l'article, là, il existe maintenant. Ah, ok, donc, another one with the citron. You know the citron? C'est ça, the citron. The yellow citron. I advise you to try all them. My favorite is the blackberry one. Ça, c'est Véro qui dit ça. Alors, dégustons, c'est un beau petit site-là. Hey, ici, on a toutes les... j'ai donné des feuilles de dégustation à Louis et Linda. Bon, juste à toute partie. Oh, yes! Nous autres, on a des sites, on a même notre fiche de dégustation, comment voter, tout. Fait que nous autres, on est professionnels, et vous? À vous aussi. Nous aussi. Incroyable. Alors, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à une mousse, hein. C'est ça qui va peut-être lui faire voler du poing un peu, mais on ne s'attend pas à une mousse... Alain, je vais t'avouer, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on était au mur de la honte à cause qu'on n'avait pas nos fiches. Les murs de la honte. Ah, oh, puis avec là, tu y es pensé. On n'y ira plus. Ah, oh, de rêver à ça, pour avoir. Ouais. Là, tu as vu la fiche, ça, c'est pour te guider les points qu'on met. Ouais, c'est ça. Ouais, les points. Fait que c'est super facile, hein, cette fiche de dégustation-là. C'est pas des nerfs, des thèmes trop. Quand tu goûtes, ça fait ben, tu t'en vas voir, fait que tu mets le point. Fait qu'on sent. La robe, en fait, c'est en dessous de la mousse. Là, ici, évidemment, du site, c'est pas mousseux. Là, ben, c'est mousseux, mais ça part tout de suite. Fait que la robe, c'est en dessous. Donc, la clarté, tout ça. Fait qu'on vote pour ça. Puis après ça, ben, on y va avec le goût. Mais Alain, quand on sait que ça ne fait pas beaucoup de mousse, mettons. Ben moi, je mettrais peut-être un. Trois ou quatre pour. Je vais en mettre un parce que c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est par rapport à. Ben, c'est ça. On peut dire qu'il devrait avoir de mousse, puis il n'y en a pas. Fait que c'est... Non, mais c'est ça. Ça fait qu'on met une note parce qu'il a bien respecté qu'il n'y a pas de mousse. Ouais. Ben, s'il y avait de la mousse, peut-être que ce serait inquiétant aussi. Très inquiétant. Oui, ça serait inquiétant. Oui. Fait qu'un 4, un 4, je pense que ça serait justifié de mettre un 4. Le nez, en tout cas, t'es super bon. Hey, tu sens la pomme, hein? Oui, ah oh, oui, oui. Ouais, vraiment, vraiment. On a l'impression de croquer dedans, là. Oui, absolument. Un croque, ce qu'il appelle en anglais. Est-ce que ça peut compter comme une portion de fruits, ça, quand on prend ça? Oh, mon Dieu. Oui, j'ai un goût, c'est ça. Ça c'est qu'on va être... Ouais, c'est ça qu'il dit. The cider, the darker away. The rounder and the bush. En tout cas, c'est sans gluten, tu sais. Ah, ouais, ils ont enlevé le gluten dans la pomme? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, mais non, mais c'est très... Ça, c'est rafraîchissant au bout. Oui.
Donc, ça, juste pour dire, c'est-tu juste les pommes qu'il y a dedans? Parce que là, c'est marqué cocktail aux pommes. Écoute, je ne sais pas pourquoi ils écrivent cocktail aux pommes. Ben, normalement, quand il écrit cocktail aux pommes, c'est parce que, tu sais, les règlements de la RACJ, pour vraiment avoir le nom appellation cidre, ils ont un barème quand même assez strict. Fait que moindrement, quand que, peut-être, je ne sais pas, admettons l'effervescence ou le ppm, le sucre, ou, tu sais, bien des exemples de même, mais pas dans leur grille, ben, tu ne peux pas juste dire cidre. Ou tu dis cocktail de cidre. Ben, peut-être parce qu'ils ont d'autres ingrédients, parce que je vois, là, je n'ai pas mes yeux, mais je vois qu'il y a plusieurs ingrédients dedans. Oui, fructose. Ben là, c'est ça, ils trichent un peu, eux autres. La fructose, tu sais, c'est ajouter un peu plus de sucre que la pomme, j'imagine. Il y a du CO2. arôme naturel. Ah, oh, ils ont dit, oui, c'est vrai. Sorbate de potassium, puis des sulfites. Sulfites aussi, pour préserver le tout. OK. C'est combien tu dis? C'est 5 %, hein? Oui, c'est 5 %. Mais ça, c'est un nouveau branding. Est-ce qu'ils ont, ils ont changé la recette de le style régulier? Non, c'est vraiment... c'est parallèle. C'est comme vraiment plus grand public, là, je pense. Là, ils ont voulu plus attaquer le marché comment on appellerait ça? Des alcools plus sucrés. Là. Ouais, c'est parce que c'est peut-être plus sucré que le cidre régulier. Puis, Oui, il est un peu plus sucré, oui. Faudrait que... parce que moi, j'ai mis le ton aussi sur le cidre ici. Faudrait faire la différence avec lui, voir. Rondeur en bouche, en tout cas, c'est sûr que c'est rond parce qu'il y a beaucoup de sucre résiduel à l'intérieur, ça, c'est certain. C'est 5 % d'alcool. Tu sens quand même l'alcool, là. Oui. Mais c'est bien. Les autres Nilton font vraiment je ne sais pas s'ils en font, mais d'habitude, c'était peut-être pas régulier, mais ils en font même avec du houblon à l'intérieur. Ils s'amusent pas mal avec la pomme. Ils ont des cidres rosés aussi. Il y en a vieilli. Il y en a, je pense, qu'il y a jusqu'à 9 %. Le Brasse Camarade peut-être peut me dire ça plus que moi, là, mais je sais qu'ils s'amusent pas mal avec différentes variétés. Oui, puis ils ont même des. Ils ont beaucoup de cruchons. Là. Tu peux aller là et remplir des cruchons. Ils ont vraiment plein de sortes. Ils ont plusieurs spécialités. Ils en ont un cuivré, un houblonné, un sec. Vraiment, c'est une belle gamme de cidres. Ils en ont des pétillants, des tranquilles. Tranquille, ça veut dire pas pétillant. Les cidres de glace, de feu. Non, mais tu fais bien de vulgariser, Véro, parce que c'est pas Oui, le CV, mais ça, on dirait que dans ton verre, j'en vois plus, là. C'est bon. Du cidre Milton, je l'ai noté. OK, elle est dans le nom. Verre vide. Moi, j'arrive avec. J'ai mis 84, c'est du sofa. Ben non, mais là, tu as le droit de l'aimer. OK. Ça veut dire qu'à haute 80, normalement, c'est parce que tu l'aimes beaucoup. Moi, j'ai mis. Ça ne m'arrache plus. 84. Ouais, c'est ça. Vers vide, je te plains. Vers plein, je te vide. Et voilà. Alors, moi, il y en a un autre qui est prêt à compter ses points. Moi, je vois. Moi, j'ai mis 83. 83, tu vois. Hein? Hein? Ouais. Oui. Tu sais, Louis, si t'aimes les. Je sais pas si t'aimes les bières noires, là. Mais tu peux faire des Black Velvet avec ça. Puis ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui est un Black Velvet? Bien, Black Velvet, en fait, c'est un stout. Un stout que tu vas mélanger avec le cidre. Fait que tu as le goût sucré du cidre, puis la torréfaction du stout. OK. Non, je connais. Je ne suis pas un grand buveur de bière noire, par exemple, au départ. Mais sauf celle que tu m'avais. C'est-tu la milk stout? La Chocobello? Chocobello, je pense. Ouais. Y a-tu un goût de caramel, un peu, dans Chocobello? Bien, c'est sûr que c'est sucré avec vanille aussi. Vanille, cacao, pourrais-tu faire ça avec ça aussi? Ouais, ben oui. Oui. Puis quand c'est vraiment sur, comme nous autres, si tu vois, il y en a une, c'est un cream plate qu'on appelle. Donc, la bière est moins carbonatée que ça. Mais à cause d'une cream plate, ça fait que ça fait une mousse. Ça, mais tu peux faire flotter l'acide et le qui est vraiment séparé en deux. Ah oui, OK. Oui, mais ça, il faut y aller vraiment tranquillement avec une cuillère. Puis parce que si tu plonges dedans, c'est sûr que ça va tout mélanger. Ouais, mais, ouais.
Mais ça, c'est plus difficile à faire. C'est pas tous les stands qui vont faire ça non plus. Ça dépend du cible, la densité de chacun. Il y a des fois, quand une densité est vraiment plus haute que l'autre, ça va vraiment séparer bien comme il faut. Moi, j'ai été avec 75. C'est quand même très bon pour moi parce que c'est beaucoup trop sucré à mon goût. Mais c'est quand même bien fait. C'est super. Écoute, puis estival, ceux qui aiment ça, une petite dent sucrée, là, c'est sûr que c'est winner. Puis si c'est trop sucré de même, tu peux le mélanger avec un petit peu de 7-Up ou au minéral. Je sais pas, c'est bon. C'est pas ça à manger ou non? C'est-tu quelque chose qui est bon? C'est ça aussi. Avec du dessert. C'est sûr que tu peux l'accorder, ouais. En apéro, ou en même digestif, j'imagine que tu peux y aller. C'est avec quoi comme convivial? Avec un fromage de ton petit. Ouais, fromage très. J'ai adoré de la laine. Ouais. J'ai fait, en fait, la SADC cette semaine. On a fait, tous les employés m'avaient engagé pour donner une formation sur la bière. Puis, une formation en dégustation aussi. Donc là, évidemment, moi, j'ai été chercher la dorée, les chocolats de Chocomotive. J'ai été chercher aussi à, ben, justement, on parle de cidre, mais double attitude. Ben, c'est Véro qui était là l'année passée aussi, je crois, ouais. Avec des tomates en petits lisses qui font sécher. Là. C'est juste les tomates, il n'y a pas aucun arrêt de conservation, rien. Mais on dirait qu'ils sont salés, c'est super bon, ces petits chips-là. Ben, je les ai servis ça aussi, avec le dessert de sushi également. Donc, ils voulaient absolument le dessert de sushi. Donc, avec une mousse au chocolat, mais faite avec le Chocobello. Ici, on l'appelle pratiquement l'orgasme. Oh! Ouais, c'est les, en tout cas, les... Puis, il y a même certaines filles qui disaient que c'est peut-être mieux qu'un orgasme. Ben, ça, voyons donc. Ben, moi, pas d'accord. Véro, pas d'accord. Non, mais moi, j'ai. Écoute, je dis qu'est-ce que j'entends, hein, mais je dis ouais, pas non, c'est pas c'est. Ça, c'est professionnel. OK. Hey, vous autres, comment, c'est ça, Fred, t'as inventé ça comment, toi? Pourquoi t'es 13? Moi, je suis un peu comme toi, Alain. Là. C'est un petit peu trop sucré pour moi. Mais j'aime quand même la légèreté. Une chance que c'est facile à boire. Sinon, ouais. J'aurais vraiment pas eu des bonnes notes. Sinon. Non, c'est ça. Hey, ben, tu y as-tu dérouté? Il me semble de mémoire, j'ai déjà acheté ici la cidre cuivrée. Puis il me semble que je l'avais aimé en tabarouette, celle-là. Ouais, le cuivré, il est très bon. Ouais, c'est plus mon style. Ouais. Aussi. Ouais. Il est fort en alcool, me semble aussi. Hein? Le cuivré, il est un peu moins sucré. Puis il est fort en alcool. Il est 10% d'alcool. Puis. Ouais, c'est ça. Puis il est un peu doré. Il y a un petit coup. Je sais pas comment. D'érable fumé, je dirais. Je sais pas, mais il est spécial. Là. Il est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment. Non, c'est un beau produit. Mais ils sont faciles à travailler. Ils sont forts à travailler aussi, les autres Milton. Avant, c'était. Comment qu'ils l'appelaient avant? Il s'appelait. Voyons, j'ai oublié. Moi aussi, là, je regardais ma poignée là-bas, mais c'est CID. 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 Pas CID? Non, mais CID, c'est. Oui, CID, mais Milton, il ne s'appelait pas Milton, il s'appelait. Non. Verger de la colline. Ah, c'est ça, Verger de la colline. Mais vu que c'en est international, fait que Cédric Milton, ça passait mieux que Verger de la colline. Ben, pour moi, eux, ils sont vraiment le fun à aller visiter aussi, là. Quand tu vas sur place, là, c'est une grosse cidrerie. Tu peux visiter ils font une fois par année, là, porte ouverte au public, puis tu visites aussi les cuves, puis tout ça, là, c'est vraiment, c'est intéressant, c'est une belle place. Ah, cool. Et, c'est cidre à volonté, en plus, quand on y va, c'est vraiment, ça, vraiment le fun. Ah, oh, c'est bien acquis, c'est bien acquis. Ça, c'est les détaillants, ça, c'est les passe-bois qu'on a à vendre le produit. Ah, c'est ça, à volonté, ça c'est, ouais, ça c'est les détaillants. C'est loin, mais c'est le fun. Hey, mais la dernière fois qu'on y était, je pense que ça faisait 40 degrés, ça, que c'était pas bien, bien fort. J'adore, hein, c'est ça. Salut! C'est Cécile de Milton, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit de Rougemont. Ben, Rougemont, oui, OK, c'est ça, l'esprit, Rougemont, ouais, ça a du bon sens. Oh, je connais pas parce que je vais chercher l'équipement de brassage là-bas aussi. Il y a quelqu'un qui a parti à l'équipement de brassage, mais c'est des brassages, des cuves de stainless, tout ça, mais écoute, c'est plein de cideries, mais c'est sûr qu'eux autres étaient drettes. Dans les bandes, ben oui, ils sont ça, directement ouais. Dans la traverserie. Il n'y a pas le prix, d'habitude,
Sais-tu combien ça se vend à peu près? On n'a pas mis de prix. C'est quoi, 3,49? Ouais, 3 et quelque chose. Ah, mon Dieu, c'est pas cher. Oui, bien. Entre 3,29 et 3,49, dépendant du taux d'alcool. OK. C'est quoi que je l'entendais? Je sais. C'est sur mon bord, là. Je sais. Je sais, je pétille. Ah, OK. Oui, c'est ça. Il y a des petits commentaires sur chacune des canettes, dépendant du type que tu choisis. Il y en a au pamplemousse aussi? Oui, il y en a une au pamplemousse aussi. Pamplemousse? Pamplemousse. Pamplemousse. OK, alors, est-ce qu'on y va pour la deuxième? Parfait, on y va pour la deuxième, qui est, voyons, c'est quelle, non? C'est celle de la BDT, là. La Grande c'est la Grande Rivière. C'est la Grande Rivière, avant, OK, OK. Ah, c'est vrai, j'ai mis Pied de Caribou. Et moi aussi, j'avais mis Pied de Caribou. On s'est pas entendu là-dessus. Oh, oh. Bon, ben, est-ce que c'est une blanche à canneberge? Là, c'est une rousse, il me semble que c'est plus... On va y voir un mix, la première et la deuxième. Là, on y voit avec. On va prendre la Airwife. OK, on prend la Airwife. OK, on regarde ça. C'était mon choix. Ouais. Oui, on y va. Okay. Sinon, on chicanera de toute façon après. Mais c'est ça qui est le fun. Quand on fait des dégustations comme ça, ben, tu peux te citer sur l'ordre aussi, de temps en temps, l'autre, d'une avant. Parce que tu as ça tout le temps de ne pas avoir quelque chose qui est trop fort qui va vraiment donner tes papiers, puis après ça, c'est comme les vins, tu vas en crescendo, là, ouais, avec l'intensité. Ça. Ouais, c'est amis. Le signage, voir quel qui est plus. Qui devrait être en premier, mais c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas vraiment d'erreur, sinon tu le vois quand tu le prends. Mais... OK, Véro! Ouais. Oui? OK, j'y vais ou. Lâche-moi, là. OK, c'est parce qu'il y a du bruit ici, j'ai pas bien entendu. OK, pour continuer la dégustation, nous avons choisi la Airwife de la microbrasserie Pied de Caribou en Gaspésie. Cette bière est une pale ale anglaise, classique, au houblon Golding et infusée au thé Earl Grey. Pied de Caribou a élaboré cette bière pour rendre hommage aux femmes dans l'histoire de la bière. Anciennement, en Angleterre, les femmes étaient responsables de brasser la bière pour fournir les pubs et nourrir la famille. Elle s'appelait Alewife. Cette bière a été créée et brassée par l'équipe féminine de la microbrasserie pour la Journée internationale des droits des femmes. Prenez-la à la santé d'une femme qui vous inspire. Ah, c'est pas beautiful, ça? Ben c'est oui, beautiful. Wow! Absolute. On l'aime, quand on l'aime. Femme, L-A-L-E, quand t'as dit L-Wife? L-Wife. L-A-L-E, comme bière. Comme une bière, comme une L. L-Wife. Ah oui. Alors, to continue the tasting, we choose the L-Wife from the Pit Caraboy. Microbrewery in the Gaspésie. Gaspésie, d'habitude, nous suis toujours Sophie Lafemme qui était là au début. This beer is a classic English pale ale with golden hops and infused. Infused dans le passé, parce qu'ils l'ont déjà infusé, évidemment, ED. ED, c'est dans le passé. With the Earl Grey tea. Pit Caraboy, created encore dans le passé. Is there to pay tribute. Il a payé la tribute to the woman in history of beer. Formerly in England, women were responsible for brewing beer to supply pubs and feed the family. L'autre feed the family, c'est parce qu'il buvait beaucoup à ce temps-là, fait qu'il feedait la petite famille avec la bière. They were called, dans le passé, mais je pense qu'il s'appelle encore le même, Alewife. Ceux qui brassent, les femmes, on va s'appeler Alewife. This beer was created, dans le passé, évidemment, and brewed, encore là, dans le passé, by the Finnish microbrewery team for International Women's Day. Take it to the health of the woman who inspires you. Vous savez qu'avant, les femmes, c'est vraiment eux autres, là, c'est en règle d'âme, c'est vraiment eux autres qui brassaient à l'origine. D'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il y a eu les sorcières. Parce que les femmes brassaient ça avec le chevron. Puis avec, je ne sais pas s'il y avait le chapeau, par contre. Puis, selon la légende, ben, ils ramassaient des trucs dans la forêt pour faire goûter la bière et des épices, etc., etc. Puis il y en a peut-être une qui s'est mélangée dans son chaud, puis a fait mourir le village.
C'est là de sa sortie, oui. La sorcière. The Witch, qui appelle. The Witch with the ballet in between the legs. Là. Oui. Ouais, ouais, et voilà. Alors, Sophie Laflamme est là, d'ailleurs. Alors, cheers to the Hell Wife. Hell Wife. Santé. Santé. Elle devait avoir les cheveux roux, la madame qui a fait ça, parce qu'après ça, les sorcières, les femmes aux cheveux roux, ils se faisaient brûler. Juste les cheveux roux? Ben, en tout cas, souvent. C'est là qu'on a commencé les teintures pour les femmes. C'était roux, sauf toi. C'est vraiment le pied d'Argiling qui domine. Combien? Avec la levure. Je cherche ça. Je vais te dire ça. Ben, je peux peut-être te dire tout de suite. Là. Je ne vois pas. Je ne sais pas s'il y a. T'es combien de pourcents, Fred, celle-là? Attends, on va dire ça. 5%. 5%. Oui, 5. Je vois qu'il n'y a pas le petit logo de brasseur dépendant, mais cette semaine, pendant une semaine, ça va être vraiment une. Comment qu'on appelle ça? Là? Ils vont vraiment propager la bonne nouvelle. Je pense que 75, c'est pas plus que ça, de microbrasseries au Québec qui ont adopté ce logo-là. Donc, ils vont, à travers le Canada, ça va se partager un petit peu partout. Fait que vous allez voir ça passer des publicités. Donc, pour encourager le petit logo indépendant, je ne sais pas si c'est la dernière là, parce que là, je n'ai pas de canette ici qui le démontre, mais le petit logo de brasseur indépendant. Fait que si c'est brasseur indépendant, tu veux vraiment encourager les microbrasseries, bien ça, tu es certain 100% qui est indépendant. Qui est indépendant. Qui n'a pas été acheté par une grosse brasserie puis qui dit que c'est une microbrasserie. Ah. Fait que, sauf que s'il l'a pas, ça ne veut pas dire que c'est pas une indépendant. Mais s'il l'a, ça veut dire que c'est 100% sûr qu'il est indépendant. Le temps qu'il refait, j'imagine, là, et qu'il mette sur les étiquettes. Oui, mais là, eux autres, ça, ils seraient dus, là, peut-être. Ils seraient dus. Oui, oui, oui. Combien est-ce qu'il y a de microbrasseries au Québec, ça? On était au-dessus de 200, je crois qu'on était rendu à 240 dernièrement. De brasseries, pas de micro, là, mais de brasseries. Okay. Puis là-dedans, ben, t'as des brasseries industrielles comme moi, qui a le droit de vendre à l'extérieur, puis t'as des gros pop. Tu peux avoir un permis pour le gros pop, t'as juste le droit de vendre sur place. Pendant la pandémie, je ne sais pas si ça va rester, mais ils ont eu le droit de faire des canettes pour sortir le produit parce que le pop était fermé. Fait qu'ils ont eu le droit de. Ce qui a donné des fois des. Vu qu'ils étaient moins habitués aussi, les plus petits, plus gros pop. Fait que là, il a commencé à avoir des petits problèmes sur les canettes sur le marché. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont explosé dernièrement aussi. Mais il y en a d'autres qu'on a fait des vraiment belles découvertes, comme la mer à boire, sérieusement. Moi, j'espère qu'ils vont continuer à mettre ça en canette parce que c'est excellent, leur bière. Là. C'est vraiment de la qualité. Puis, en tout cas, c'est une belle découverte. Ben, pour chaque mauvaise découverte, on en fait plus de bonnes. C'est bon, oui. Mais je ne sais pas, par contre, je ne sais pas la loi. J'ai moins suivi ça parce que j'ai pas ce permis-là, mais je ne sais pas si ça va continuer, qu'on a le droit de continuer à vendre. Parce que si on doit continuer à vendre à l'extérieur, ben pourquoi que moi je paierais le gros permis pour vendre à l'extérieur aussi? Je ne sais pas. Ouais. Pour que ce soit quand même. Ouais, c'est... Mais il y a une contrainte, par exemple, Alain, que je ne sais pas, toi, ça t'affecterait peut-être. Tu ne pourrais pas envoyer tes bières à Bokeh, par exemple. OK, on peut les distribuer sur les autres temps. Ça, par exemple, c'est strictement à eux qu'il faut qu'ils distribuent. Nous, la mer à boire, on a la chance de les avoir parce que René Guindon, c'est un petit gars de la place. Il vient de Saint-André. Il a sa petite maison de campagne. Puis, il vient trop nous visiter. Puis, c'est le même qu'il nous livre. OK, OK. C'est ça, par exemple, que tu le considères. OK. Non, mais je ne changerai pas pareil, mais c'est juste... Que ce soit équitable pour équitable, tous. Équitable, oui. C'est à Gainsbourg. La robe est belle en tabarouette, je vais donner ça. La mousse, la beauté, ouais, c'est super belle. La mousse, nous autres, est-ce que ça a duré? Nous autres, ça a tombé. Ah, ouais. Sauf qu'elle fait de la belle dentelle. Quand elle fait de la belle dentelle, on sait qu'il y a des protéines, des sucres résiduels qui vont coller sur le verre. C'est comme si tu prends, là, on dit jamais, là, mais c'est presque de l'eau, là, la Starlight. Ça fait pas court, ça colle pas sur le verre, ça, c'est plus de l'eau qui suit le... Ça, au moins, on voit qu'il y a de la belle dentelle. Fait que la mousse est de qualité. Fait que durée de mousse, je ne peux pas donner le top, mais. Sophie Laflamme, le camion Petit Caribou passe souvent devant ma maison. Ah! Mmh. Elle sent vraiment bonne. Ah, oh, c'est bon, ça? Oui, c'est bon. Tu sais, si on compare à la semaine passée, on en avait une aussi, une aile anglaise. Puis je préfère celle-là. Je ne sais pas, l'amertume n'est pas. Voyons comment on dit.
Elle est pas trop. Elle dit, elle reste pas trop longtemps. Non, non, non. C'est plus fruité. La version vient plus. Les houblons, ben c'est ça, le golding aussi. Là. Ils ont dit qu'il y avait du golding à l'intérieur. Ah, puis du Earl. Ah oui, il y a du thé aussi. Oui, il y a du thé aussi, c'est ça, le thé. Je pense que ça y donne aussi sa profondeur et son goût, c'est ça. Ben, ouais, j'ai le goût de le thé, là. Ben, on le sentait, on le sent aussi quand on le fait au nez, là, on le sent. Oh, oui. Absolument, je cherchais le petit goût, là, mais c'est vraiment ça, le thé. J'aurais pas pensé sur Earl Grey, par contre, mais... Ben, selon mes souvenirs, il me semble que c'est un thé noir, en tout cas le Darjeeling. Un gris, mais ça veut pas dire que gris c'est gris, là, tu sais. Non, non. Gris, c'est le colonel Gris, là. C'est lui qui avait commencé ça. Il s'appelait Earl Grey. T. Après ça, il a fait une Grey Anatomy. C'est pas, ouais. Ou Fifty Shades of Grey, je sais pas si c'est le même, ça. Non, il y aurait un petit goût plus épicé. Un truc le fun, là, quand tu goûtes, là, tu bouches ton nez, tu prends ta gorgée, puis tu lâches ton nez, puis là, je suis sûr qu'on va sentir le thé encore plus dans les arômes. Puis on fait ça à caméra, là. Ouais. Là, c'est sûr qu'on passe à Infoman. Ça, on goûte les épices, tu te goûtes-tu? Bouge ton nez et tu te débouches. Oui, mais si j'arrête de respirer, ça ne fait pas pareil. Non. Tu devrais te faire des bloopers. Ouais. Tu parlais de toutes tes histoires, c'est ça. Garde-toi des petits bouts de ça, puis à la fin, fais-nous une émission des bloopers. Ben, je pense qu'il y aurait une coupe avec faire des verrous, en tout cas. Ouais. Hale-White. Hale-White. Ah, t'es en train de propager le Hale White? Non, je regardais sur... C'est quoi, tu parlais de ce que c'était composé de, là, sur le site. OK. Non, j'aime ce petit goût-là. Ils ne disent pas les IBU non plus, hein? Non, ils ne disent pas grand-chose sur cette bouteille-là. Pour vrai, il y a un gros bout d'histoire, mais il n'y a pas beaucoup de description de la bière. Goût céréal floral, ils disent. Ça a l'air, parce que c'est très floral, à cause du thé, là. Oui, le mal. Le thé est brassé par leur équipe féminine pour la journée de la femme. Les droits de la femme, ça dit. Ça, on l'avait dit, hein. Oui, c'est ça. C'est ça que tu m'en avais dit. Oui, t'as dit dans le temps. Encore, tu pensais que tu l'as dit de l'époque. Ouais. Ça prouve qu'il est comme ça. En tout cas, le thé, il amène une buvabilité assez déconcertante. C'est dangereux. Oui, tu sais, le thé va mettre ça un petit peu astringent. Oui, oui. Ça baisse vite, qu'est-ce que ça? Ça moi, je... parce que même quand on a fini, vous direz, moi, ça me pétille dans la bouche. Là, ça me pétille encore longtemps après. Ah, il est effervescente aussi, peut-être plus que la semaine passée. Hein? T'as-tu remarqué, Fred? Oui, les... oui. Un peu plus effervescent. La semaine passée, c'était plus malté, vraiment plus malté. Celle-là, vraiment pas beaucoup. Ah non, c'est ça. Ben, le thé est vraiment présent. Des fois, tu notes que tu sens pas trop, mais celle-là est vraiment présente. Très bon choix, Pete Caribou. Très bon choix. Très bonne microbrasserie en passant aussi, également. Et là, il nous en reste plus de celle-là au Brasse Camarade. C'est fini. Ah. Je ne sais pas quand elle va revenir, mais... Mais tant mieux si c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont été achetés pour le... Oui, exactement. Cool, ça a participé, parfois de ça. Hé, là, t'es un peu, je n'aimais pas ma feuille. Parce que c'est-tu un wow, ça, ou c'est pas un wow? Moi, je vais y aller avec... comme ça. Je devrais mettre des chiffrons, ce serait plus facile à calculer. Il y en a quelqu'un qui a fini? Moi, j'ai 86. 86 plus que le cidre? Oh oui, 86. Ouais. J'aime mieux le cidre que ça dans un sens, mais je trouve que ce biais-là quand même bien fait. Puis la mousse était belle. Mm-hmm. Ouais, t'as bien voté selon la qualité de la bière. Au... Oui, je m'en viens un expert. Là, ouais, je vois ça. Sept, 14 plus. Moi, j'ai donné 83. Tu vois? Non, moi, je suis constante aujourd'hui. Moi, puis ben oui. Je suis. Ouais. It's,
Toi, t'as donné combien? 80. Regarde, il a donné 80. J'ai été à 81. Oh, wow! On est proche. Ah, parouette! Toi, Alain, pour nous, on a les mêmes. Vous avez les mêmes goûts, hein? Linda? Ouais. C'est zip. Ça le pétille encore, sérieusement. Ça le pétille. Il y a j'ai des intolérances alimentaires. Fait que moi, je suis plus dans les 60, moi. Ah, ouais, ça me pétille. Ça reste longtemps, là, vraiment, ça me pétille comme dans le fond de la gorge. Ici. Oui, j'ai de l'allergie. T'as-tu du problème avec le thé? Avec le thé? Non, okay. Pas le thé. Non. OK. Ça la fait des sauts. Il y a une bière qui est faite avec le thé du Labrador, là. Rien, les lèvres engourdies, ou tu sais, ça me pétille. Ça me fait ça, le thé, avec le thé du Labrador. Ah ben, Labrador. On est sensible, hein, Véronique. On est sensible, mais je trouve que Véro boit un petit peu plus vite que toi. Ouais, là, j'ai déjà fini. Fred, il n'y a pas fini. Linda, c'est fini, mais il y en a. Je pense que je vais faire ça, comme ça. Là. Alors là, on est revenu à normal. Là, Véro boit plus que Fred. Puis, mais Fred est encore dans l'idée de meurtre de la honte. Hein, fait que là, il se fait attention. Non, mais Véro, là, elle doit avoir de l'Irlandais. Elle doit cacher ça dans elle, c'est ça. Je vous jure, là, ça me fait assez chier. On boit la même quantité de bière à jamais le lendemain de veille. Je pense que je l'ai vu une fois depuis qu'on est ensemble en 10 ans. Non, mais toi aussi, Fred, de jamais le lendemain de veille. Non, moi, c'était de. C'est pas dormir, on va pas rester plus avec ça toute la nuit. OK. C'est ça. Bon. Et non, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. C'est ça la différence. Ah. Je m'hydrate. Moi, je bois un litre d'eau, puis ça fait rien. Ouais, mais la liste irlandaise, c'est ça la l'affaire. Ah, ça se peut, ça. Ça une sorcière. C'est ça. Je peux roux. Oui. Ah, on reste avec la dernière. Mais t'es né dans la bonne époque, parce que c'est ça, tu ne crucifieras pas. Ouais, mais non, c'est ça. Ouais, moi, je suis prêt pour la dernière, là. On okay. Vient dans notre coin, parce que là, on fait tout le Québec. On est en Gaspésie, puis on s'en vient à Gatineau. C'est que la dernière et non la moindre de cette dégustation est la Grande Rivière des Brasseurs du Temps à Gatineau. Cette bière a un nez de citron, d'herbe et de canneberge. En bouche, les houblons citronnés et fruités se marient à la canneberge et à la levure. Dans une finale rafraîchissante, mi-acide, mi-amère, en apéro ou pour accompagner des fruits de mer, vous verrez, cette bière vous charmera et vous donnera envie de vous cuisiner un bon tartare de pétoncle à la canneberge. Un tartare de pétoncle. Ben oui, t'as jamais mangé ça, un tartare de pétoncle? Ça se mange cru, ça? Ben oui. Ah, j'aurais pas essayé ça cru. Ben, moi, j'achète ça comme en petit sachet, là, puis c'est déjà préparé, tout cassé, c'est congelé. Puis là, je prends ça, puis je mélange. C'est sûr, il faut enlever l'eau dedans, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'eau, là. Tu l'imbibes avant, puis après ça, tu fais ton mélange, puis c'est bon. Tu ne mets pas de citron pour le faire cuire? Ben, il est déjà mariné, c'est sûr. Il cuit dans le... Souvent, c'est une marinade justement au citron ou au vinaigré. C'est ça qui le fait cuire, Non, je ne savais pas ça. Oui. Je ne pensais pas que ça se mettait cru, ce mollusque-là. Ben, il va falloir que tu essayes ça, Alain. Mais il va falloir. Moi, je suis toujours prête à m'éduquer un petit peu plus dans le monde. Là, tu le dises en anglais. Oui, oui. En anglais. En bilingue. A bilingue. The last and not the least of this tasting is the Tall River. Tall River. Il y a beaucoup qui m'appellent même dans le temps. of the brewer of the time in the Gatineau. This beer is as a citron nose, herbs and cranberries. Cranberries on the palate, under the palate, parce que le palais. Under the palette, lemony, ça c'est une famille du citron. C'est lemony, ça c'est plus
plus vert, ça. C'est plus vert. Lemony and fruit hops. Fruit hops blend with cranberry and yeast. Oh, le yeast aussi. In a refreshing. In a refreshing. Alphacide. Alphacide. Just alpha. Pas trop bout, mais juste alphacide. Alpha better too. Alpha better. Lui, il est bien dans les moitiés. Mi, oui, de mi-mi. Ouais. Mi, mi-better, puis mi-acide. Mi-better, mi-acide. Finish. As an aperitif, or to accompany seafood, you will see. Will, ça, c'est dans le futur, ça. Oui, tantôt, on s'entend qu'on était dans le passé, là, on est rendu dans le futur. Oui, Will, ça, c'est le futur. C'est rare que les gens viennent dans le futur. Ils sont beaucoup dans le passé, eux autres. Ils vivent beaucoup dans le passé, beaucoup de ED. Là, Will, ben, c'est dans le futur. Ça, ça doit être Véro qui a mis sa touche personnelle. Oui, c'est ça. And you will see, this beer will charm you and makes you want to cook yourself. Donc, to cook ici, yourself. Ouais, ça, là, c'est... T'auto-cuire. Oui, mais c'est ça, c'est pour les professionnels, tu vois. Parce que c'est pas tout le monde capable de cook yourself. Cook yourself. Ça peut être dangereux, ça. Ça peut être dangereux, ça. Véro, elle a appris ça dans le nord de la petite nation. Ouais. Proche de Duhamel. Proche de Duhamel, eux autres, ils cook yourself. Écoute, un good cranberry and pickle tartare. Parce que ça, là, tu sais que ça a été inventé, tout ça, là, c'est qu'à un moment donné, les gens sont pressés. Là, il est tartare, tartare, fait qu'ils ont envie de faire cuire le viande parce qu'il est tartare. Bon. Alors, c'est ça. Hey, ben, on déguste. Oh, elle est belle en oui. plus. Hey, tu vois la différence de couleur? Mais oui. Ça, c'est belle. Oui. I think so. It's a converge, a red converge, par exemple. Red converge. Oui. Oh, je suis rendu chanter mon micro. Hein. Hey, Fred, il vient de dire pas fort que j'avais raison de faire goûter celle-là en dernier. Oh! Oh, Véro! Oh, Véro! On se le dire! On est juste entre nous, là. Mais non, on a bien fait de suivre. Je sais plus, là. Hey, ça, la grande rivière, à combien de pourcents qu'elle est? 6,5, quand même. 6,5? Oui. Je vous en pas trop l'aime là de celle-là. Mais tu veux te ramener? Oui, tu vas me ramener. They will pitire in your butch. On dirait qu'il y a un goût de. T'es sûr dans le goût de là? Oui, mais. Il y avait des agrumes, il y avait des limes. Mais ça, c'est très acide par contre. Mais là, moi, je l'ai ici, ici. Mais dans le temps, elle était vraiment rouge. Là, elle est plus. On dirait qu'il y a plus de levure à l'intérieur, plus brouillée que. En tout cas, qu'est-ce que je me souviens de ça? Fait que probablement qu'on a un petit goût de levure de plus que j'avais dans le temps. Avant, c'était vraiment acide, qui était acide, vraiment acide. Mais là, c'est oui. Afacide. Ouais, c'est ça. Puis il y a 40 IBU, la bière. Ah, quand même. Ouais, quand même. Bien. Bien, c'est ça, déjà. Oui, oui, c'est ça. Quand même une bonne amertume. IBU. International Bitterness Unit. Ça, c'est le pourcentage. De, ben, en fait, c'est pas le pourcentage, mais c'est l'acide alpha que dans le houblon. Va donner l'amertume de la bière. Plus que ce chiffre-là est haut, plus que c'est amer. Plus amer. Ouais, plus qu'il est bas, moins c'est amer. Donc, les bières régulières, souvent, on joue entre 9, 8, 9 dans des bières régulières. Là, on monte à 40, c'est quand même pas mal plus. Quand même un bon. Ah, c'est vrai, il ne faut pas goûter tout de suite. Attends, moi, là, je suis pas. Tu pourrais jouer avec ça pendant que tu as fait. Tu pourrais monter ton amertume. On joue toujours avec ça. Ouais. Ça, c'est comme la formation que j'ai faite à SADC. C'est des houblons, parce qu'il y a des houblons vraiment spécialisés pour l'amertume. Puis il y en a d'autres, c'est aromatique. Si tu rajoutes des houblons aromatiques, ils vont sentir un peu comme l'autre, c'est vraiment aromatique. On sentait beaucoup. Il y a moins d'amertume que celle-là, mais c'est vraiment des blancs pour aromatique. Si on veut du IBU, mais non. Puis en plus, l'IBU, c'est une huile essentielle plutôt. L'huile essentielle, il faut qu'elle soit chauffée longtemps. Donc, il faut que la mettre. Normalement, on la met 55 minutes pour vraiment sortir l'amertume dedans. Puis au blanc aromatique, on va les mettre plus à la fin parce qu'on ne veut pas les faire cuire trop. On veut plus les arômes, le goût que l'amertume. C'est différents temps de brossage pour chaque. Puis normalement, les blancs sont vraiment aromatiques, ils n'ont pas beaucoup d'acide alpha qui donne l'amertume. Donc, si on voudrait la mettre en amertume, on voudrait la mettre au début, il faudrait la mettre une grosse quantité. Les houblons aromatiques sont toujours bien chers. Fait que là, tu en mettrais beaucoup au début, ça coûterait bien cher, puis il faudrait en mettre plus qu'un autre. Si on peut passer de
de 2% d'acide alpha jusqu'à 14% d'acide alpha. Fait que c'est vraiment à 7 fois la différence. Là. Il y a des houblons plus spécialisés. Il y en a qui sont mixtes, puis à 7 litres, tu peux mettre en amertume, tu peux mettre en goût. Mm. Fait que ça, ouais, on peut jouer. Fait que, International Bitterness Unit, fait que c'est une donnée qu'il y a à l'intérieur. Mais s'il y a beaucoup d'alcool, s'il y a beaucoup de malt, d'autres ingrédients aussi, ben, ça peut balancer. Fait que des fois, c'est 40, ça veut pas dire que c'est amer pour 40. Il y en a à 20 qui vont être plus amers que ceux qui sont 40. Ah. Un peu comme si tu mets du sel dans une glina, ça va d'abord plus de sel, d'autres moins. Tu sais qu'il y a ça à l'intérieur, c'est pas dire que c'est vraiment. Dépendamment des autres ingrédients, comment ça vient balancer. Ouais. L'alcool, l'alcool fait une bonne différence. Si tu mets beaucoup d'amertume, si tu montes ton taux d'alcool, l'alcool c'est plus sucré, c'est plus rond en bouche, ça va vraiment contrebalancer. Tu mets une bière de même à 40 IBU, moi j'en ai une à 3.1, là ton houblon il va frapper. Là tu vas sentir vraiment puissant dans ta bouche. Là. Fait que si tu mets plus d'alcool, ben, ça va robber un petit peu plus. J'ai une bonne question pour toi, Alain et moi. Ah ouais? Ben, tu sais, on parlait justement de la Grande Rivière, là, que t'es pas pareil avant. Ben, t'es en bouteille. Ça se peut-tu des fois que telle recette, en bouteille, il faut que tu la modifies un peu quand c'est au passage à la canette, peut-être pour la carbonatation ou quelque chose. Ça se peut-tu ou... Ben, pas vraiment, normalement, mais sauf que les canettes sont plus fragiles. Hein. Fait qu'il faut normalement pour moins pousser la carbonatation des canettes parce que c'est plus fragile. Quand ça explose méchantement. Ça vole au plafond. Mais Véro n'avait pas osé à un moment donné une canette explosée dans son épicerie. Là, ah ça, oui, non? Quand ça explose, c'est top. Oui. C'est top. Souvent, c'est il ouvre complètement. Le cadre, ouais, c'est ça. Il sépare complètement. Ouais. Fait que ça, c'est surcarbonaté. Fait qu'on fait plus attention. Nous autres, c'est une compagnie qui vient, qui loue, on loue plutôt qui vient. Fait qu'eux autres, ils aiment moins qu'on carbonate bien haut. Là. Fait qu'eux autres, ils aiment mieux un petit peu plus bas pour être safe dans la canettage, pour pas se faire tomber non plus, pour dire, ben, t'as mal fait ton sertage, ouais, fait que c'est ça. Fait que mais sinon, non, mais en cake, par contre, Fred, ça, c'est vrai. Souvent, c'est la même chose, mais les cakes bougent plus pendant longtemps, hein. Tu sais, une bouteille, une canette, quand on la vide, on va vider la levure aussi en même temps. Dans ce cas, un cake, ben, tu bouges plus le cake, puis la levure, après deux semaines, ou ça fait longtemps qu'elle est dans le fond, hein. Fait que la bière est souvent plus clarifiée dans un cake que dans une bouteille. Fait que tu vas avoir un autre, oui, j'ai vu le parasol. Oui, le parasol va décoller, mesdames et messieurs. Fait que si vous voyez ça à Saint-André-Avelin, ça se peut que ce soit le nôtre. Il n'est pas parti encore. Mais donc, comme toi, quand tu fais une bière, mettons que ben, celle aux framboises, par exemple, puis ta deuxième série aux framboises, tu pourrais un peu te dire, bon, mais j'ai mis tant de ça la dernière fois, mais je trouve que là, tu joues avec ça. On n'entend plus Louis, il y a trop de bruit. Il y avait une... Lui, je ne sais pas c'est quoi, mais je suis pas sûr que son offreur légal. One-two. Tu sais qu'il appelle ça silencieux, ça, c'était pas dans son cas. Non. Lui, c'était un muffler. Mais, oui puis non. Parce que dans les bières régulières, tu veux tout le temps ton standard. Fait que tu veux pas jouer après ça dans ta bière régulière. Parce que là, il y en a qui vont aimer ce goût-là. Comme ça, tu changes. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils se reconnaissent. Fait que j'imagine que tu as un range. Puis tu te dis, ben, il faut que ce soit en temps puis temps pour que justement ce soit. Mais le challenge de toute une microbrasserie, c'est de faire pareil. Oui. Faire une bonne bière, c'est pas compliqué. Mais la faire toujours pareil selon les mêmes paramètres, c'est là que le gros challenge. Parce qu'on a tous des ingrédients vivants aussi. Si la levure est vivante, les maltes aussi, c'est la même chose. C'est qu'on part tous des ingrédients vivants. Oui. Sauf, pour moi, les saisonnières, ça, je vais jouer avec. Comme la pisse aux framboises. Donc, la première version, même cette année, la première version, j'ai pas pris la même framboise que la deuxième version. Donc, il y en a une qui est vraiment plus rouge, l'autre est plus rose, l'autre était plus acide, l'autre plus un peu bonbon. Fait qu'on joue un peu avec, parce que c'est des saisonnières. Ça, je m'amuse avec ça. Il y en a qui aiment mieux la version, d'autres qui aiment mieux l'autre version, mais les autres, je vais m'amuser, mais mes régulières, je ne jouerai pas avec du tout. Parce que les fruits, c'est la même chose. En début de saison, puis ton fruit en fin de saison, dépendamment de la quantité de pluie, le fruit même va goûter différemment. Fait qu'effectivement, quand tu l'intègres dans tes recettes, ça va faire varier ton goût. Absolument. Même, c'est pour ça que la Miss Betty, j'ai changé la recette un peu.
au niveau des betteraves. Donc maintenant, je prends du concentré, mais toujours du concentré qui est le même taux de sucre. Fait que s'il y a une année qui est moins sucrée, bien, d'autres vont en mettre plus pour avoir vraiment tout le temps le même taux de sucre. Parce que sinon, les betteraves, c'était à chaque année, c'était le jour et la nuit. Il y en a des fois, ils n'étaient vraiment pas sucrés, ils étaient sèches les betteraves. L'autre année, étaient super juteuses, là, c'était complètement un autre monde. Fait que là, j'ai essayé de standardiser ça parce que là, je veux peut-être avoir plus à l'année, parce que ça se vend quand même bien. Mais tout ça au fruit, mais là, déjà, je peux m'amuser un petit peu plus à l'intérieur. Ils reviennent à chaque année. Donc, tu sais, mais eux autres, c'est la même chose. À chaque année, mais là, des fois, elles ne goûtent pas tout à fait pareil parce que les cidres ne sont pas tout à fait pareilles. Ça, c'est la beauté de ces bières-là. Mais bien régulière, tu peux faire ça. Tu peux te permettre ça avec tes produits saisonniers que tu ne peux pas avec les autres. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, là, quand je vends la bière au Brasse Camarade, c'est un critère que. Tu sais, une bonne micro, je veux dire, celle-là est stable. Je sais que ce jour-là, tu sais, que je l'achète, puis là, dans 6 mois, elle va goûter la même affaire parce que ils suivent la recette, elle est toujours stable. Tu sais, il y a des micros que même leurs régulières sont pas stables. Fait que ça, c'est plus intéressant. Parce que les gens, ils ont des attentes aussi, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu mets. Comme il y en a, on n'a pas le nom, mais que je vendais au début ici, puis qui était, c'était vraiment des compagnies qui étaient pas stables, puis on vous référait là-bas, mais là, il y en a qui étaient des champs de bouteilles. Ouais, mais là, c'est pas le même goût que là, mais c'est ça, c'est là, c'était vraiment pas stable. Donc ça, c'est plate pour le monde aussi, quand c'est des bières régulières comme ça. Donc, c'est deux différences. On s'amuse plus avec les saisonnières, mais les régulières, il ne faut pas jouer avec ça. Non, c'est ça. Ben, comme si ton coke, ceux qui aiment le coke, il y a une petite différence, ils vont être en tabarouette et ils sont pas contents, même si l'autre, hey, j'ai fait un petit bière, toi, je pense ça. Toi, je pense ça, on l'aime de même. Carole Micheline Dupuis, pauvre Véronique, ah, déjà, pauvre Véronique, quand la canette a explosé, ah, la photo, ouais, c'est bien la photo. Ah, mais là, il y en a un autre patch, là, je sais pas si. Je pense pas qu'on l'a raconté, mais c'est ce mois-ci-là que c'est arrivé, là. Une caisse de 24 au complet qui a explosé. J'ai 24. Même été, ouais, j'ai été obligée d'appeler les voisins parce que là, on sortait les canettes dehors tranquillement, mais ça pétait, puis ça pétait. Là, j'ai appelé les voisins, j'ai dit là, inquiétez-vous pas, c'est pas des coups de fusil, parce que quand ça pète vraiment fort, là. J'ai dit, c'est vraiment des bières qui pètent. Eux autres, ils trouvaient ça bien drôle. J'ai dit, nous autres, on trouve pas ça drôle pantoute, non? Tabarouette. Ma fille, elle m'a fumé, là. C'était épeurant. Je prenais la canette, là, doucement, là, puis ça faisait POW! Ça, tu sais, ça pétait au plafond, là. C'est pas drôle, là. C'est vraiment dangereux. Mais, en tout cas, une caisse de 24 au complet, je te dis qu'on l'a pas trouvé drôle, celle-là. Ça, c'est rare en maudit, par exemple. Oui, oui, c'est rare. Au complet, elle était moins compliquée. Puis même moi, là, je vais en raconter un autre, justement, de la même batch, là. Je n'avais oublié dehors 3-4 cannes. Là, c'était comme. Là, j'ai pitch dans la poubelle. Je te jure, il revolait comme un feu d'artifice. Ah ouais? Ah oui, c'était débile léger. Là. Ah, mais ça, vous auriez dû filmer ça? Ben, tu sais, on ne veut pas non plus propager. Là, on ne veut pas faire peur au monde. Là, donc... mais, non, mais sans montrer la grosserie, mais ça aurait été drôle d'avoir une canne. Ouais. Ouais, la canette envolée, ouais. Mais moi, j'ai quand même une inquiétude à long terme que un jour, il y a quelqu'un qui va se blesser comme une faux, puis ce sera pas bon pour notre entreprise, les autres, puis tu sais, ton entreprise. On va vraiment, l'industrie va écoper de ça, là. Ben, ouais, tu as raison, puis c'est plate parce qu'au niveau des bouteilles, là, ça s'avait stabilisé. Il y a un moment donné, il y avait beaucoup d'éclatage, de gushing aussi, qu'on appelle quand tu l'eau, puis la bouteille veut quasiment se vider aussi. Puis la microbrasserie s'avait vraiment pris en main, puis n'avait pratiquement plus avec les bouteilles, c'était vraiment rare. Là, avec les canettes, ben, j'aimais sur les fils de presse des brasseurs du Québec, ça revient, là. Il y en a plein, là, que ça commence à revenir. Donc, ça, c'est plus inquiétant. Mais maintenant, le problème, un de mes confrères disait ça, ça fait longtemps qu'il se plaint, mais on essaie n'importe quoi au Québec, là. Il y a des, tu sais, il est rendu avec des smoothies, puis des affaires vraiment avec des fruits à l'intérieur, puis des fruits à l'intérieur. Ouais. Continue à faire manger. Mais c'est pas winner, ouais, avec la chaleur, mais ça, un petit peu pas à température idéale. Comment c'est pas mal. Les clients les demandent, mais moi, je dis, écoute, j'en veux pas dans mon magasin parce que je veux pas que ça soit
dangereux, là, tu sais. Fait que j'en ai, je suis contente qu'il n'y en ait pas dans le magasin, justement, les smoothies, là. Ça, c'est vraiment dangereux, là. Puis écoute, si ça explose, un smoothie, là. En tout cas, moi, j'ai goûté celui de Bas-Canada cette semaine, là. Tellement épais, c'est de la confiture aux framboises puis aux fraises qui revolent. C'est carrément cool. Oublie ça, là. Je veux pas ça au plafond. Là. C'est à la purée de fruits. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Fait qu'au lieu, moi, quand je mets de la purée, ben, je la floche. Les autres, elles laissent dedans pour avoir une texture. Mais, oui. On commence à s'éloigner de la bière pas mal. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment. Au moins, appelle ça un drink, ou je sais pas, ou comme cocktail. Ouais, c'est ça. Oui, t'as raison. Ça ouais. Pourrait être une option parce que rendu là, pour vrai, c'est plus une bière. Là. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est ça, dans la file de presse des brasseurs, ben, c'est qu'à un moment donné, c'est que le gouvernement va se mettre le nez là-dedans aussi pour réglementer tout ça. Puis ça ne sera pas nécessairement bon pour tout le monde. C'est sûr que s'ils suivent les règles, tout ça, c'est là qu'ils vont payer encore là pour. Oui, mais ça. Ouais, on va s'en faire serrer encore. Puis... Fait que, mais écoute, c'est la loi de la nature, mais j'espère que ça va revenir plus stable éventuellement, dans un monde rapproché assez rapidement. Ah, puis, hey, je voulais dire, Fred, ça, c'est juste, je pense que je l'ai pas dit tantôt. Alors, ça, c'est juste une petite information. On parle souvent des canettes. Lui est imprimé aussi, BDT est imprimé dessus, parce qu'il y a une réglementation avec ça. Ça, c'est des CRU contenant à remplissage unique. Donc, quand on fait une canette, on a une pénalité qu'il faut rembourser parce que pour l'environnement, on compte jamais aux bouteilles. Ouais. Moi, je ne crois pas à ça parce que je pense que les bouteilles sont plus dommageables parce qu'il faut les laver avec des produits chimiques, il faut que tu envoies ça à Québec pour les laver. Puis de toute façon, il en jette peut-être 40% pareil dans le bac de pistière. Tandis que l'aluminium, ça, c'est 100% réutilisable. Mais anyway, ça, c'est un autre dossier. Sauf que tu n'as pas le droit d'avoir de manchons de plastique. Il y en a qui ont des manchons de plastique. J'en vois pas, les autres sont imprimés aussi. Ah, c'est tout imprimé, là, ça. Des manchons de plastique ou des étiquettes de plastique. Donc, ça, ça fait au moins 2 ans que c'est illégal. Ils ont donné une chance. Après ça, l'année passée, c'était supposé être fait. Avec la pandémie, ça ne s'est pas fait. Mais il n'y avait pas d'alternative non plus d'imprimer sur les canettes. Là, maintenant, il y a des imprimeurs au Québec qui le font en plus petite quantité pour les microbrasseries. Donc, c'est ça. Fait que j'ai reçu ça cette semaine. Donc, les manchons, étiquettes de plastique, 1er septembre, c'est fini. Fait que là, c'est officiel que c'est un trop compliqué. Fait que là, ils retirent des. Ils accepteront plus. Fait que quand ils vont faire homologuer, ils accepteront plus eux autres. Puis, en fait, la règle, c'est 99% du poids, autant d'une bouteille, mais une bouteille, c'est plus facile parce que c'est plus pesant. Fait que tu peux mettre plus pesant à l'endroit. Mettre autour. Ouais, oui, une canette, ça pèse rien. Fait qu'ils ont 1% qui reste. Faut pas que ça soit pesant. Fait que même un papier, faut que ça prenne le papier spécial parce que sinon, c'est pas accepté. Bon, ouais, fait que c'est 99% pour que ça soit l'aluminium ou le plastique. Je trouve ça dommage parce que, tu sais, comme moi, j'étais en train de remplir mon frigidaire de collant de bière, là, tu sais. Puis la Victor, celle qui était sortie cette semaine, là, la Victor, j'ai oublié le nom. Marc. Je l'aurais mis le collant sur mon frigo parce qu'il est vraiment beau, le dessin, là. Le bûcheron, il est très beau. Hey, ça, Véro, t'es pas la seule. Quand j'ai fait le lancement ici avec quelques dames, et les dames ont toutes eu la même réflexion. Oh, Victor! Oh, mon homme, ouais! Je sais pas si ça a été si Christian Canel l'a romancé ou s'il vraiment regardait à ça, mais je pense qu'il l'a mis un petit peu au bout du jour. Ben, parce que même ma fille, elle m'a dit, il a-tu existé pour vrai, ce monsieur-là? Oui, mais je sais pas s'il avait l'air de ça, par exemple. je pense qu'il l'a romancé un petit peu, parce que, mais en tout cas, il a fait des bonnes choses, il a fait des belles choses. Oui. Parce que lui, il a fait le château, Montebello, mais il a fait plusieurs choses dans Laurentides aussi. Plusieurs constructions vraiment scandinaves. Il est vraiment intéressant comme personnage historique. Ben, c'est ça, on a pris l'angle de château Montebello. On ne voulait pas que ce soit l'angle régulière qu'on voit toujours. Fait qu'on était avec la construction, donc on a mis l'accent sur Victor Neimark ou Neimark, dépendamment de l'accent que vous avez ou dans quel coin du Québec que vous produisez. Alors, mais c'est ça, on a été plus à cet angle-là. Mais je suis bien content. Christian a fait encore toute une œuvre. C'est beau, c'est vraiment beau. Ouais, toute une machine. Avez-vous ça passé? Je vais juste parler de ça vite fait. C'est-tu ici? Ouais, on a convaincu. C'est-tu ça notre concours sur notre page? Oui, j'ai participé un matin, moi. C'est vraiment cool. Est-ce que tu as mis Fred ou. Non, il ne sait pas.
est pas courant. J'ai mis le voisin. Non, 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 c'est vrai. J'ai mis ma mère. Je dirais avec ma mère. C'est beau. Ouais, c'est ça, ben, c'est gagné une nuitée au Château Montebello. Donc, si vous partagez, le lien sur la page Facebook des Brosseurs de Montebello. Donc, si vous partagez, si vous aimez, donc likez ou taguez, je ne sais pas en français comment on peut dire ça, mais taguez un autre ami. Fait que vous avez autant de chances de participer comme ça. Fait qu'on va faire le tirage le 26 juin. Fait que, une belle nuitée pour deux au Château Montebello. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, parlant de concours, eh bien, Louis m'a amené quelque chose. Oui! Il m'a enregistré. Elle doit être partie dans le verre tantôt. Dans tu l'as mis dans tes poches, hein? Non, je crois pas. Ah. Non, et là, je te vois. Oh, ouais, je voilà, suis tantôt, là. Je ne rentrais pas devant la caméra. Mais... Non, parce que ça s'en va dans les bloopers. C'est ça. ou à Jean-René Dufort. Ça, c'est ça. Alors, ouais, le club de golf Tursault, c'est bien Tursault. Hein? Tursault, oui, mais c'est dans le Cabel Ouest. Oui, oui, le Cabel, ben oui. Alors, c'est ça. Fait qu'encore là, notre podcast d'aujourd'hui, ceux qui vont le partager, qui vont l'aimer, qui vont taguer quelqu'un, donc pendant toute la semaine, on va faire tirer ça la semaine prochaine, dans le prochain podcast de samedi prochain. Donc, deux paires de rondes de golf. Mmh. Du golf avec voiturette. Du tout golf avec voiturette. Donc, deux paires ça, de oui, parce que vous allez ailleurs, ça a l'air qu'ils prendront. Ils ne la connaîtront pas. Ouais. Ouais, c'est signé, ça fait que vous pouvez garder parce que c'est signé. Oui, il y a un autographe, ça peut prendre de la valeur dans une centaine d'années. Ah bon. Oui, fait que gardez votre carte pour plus tard, mais fait que c'est ça, fait que partagez ça avec amour et le club de golf. Et d'ailleurs, tu vas avoir un tournoi de la Chambre de commerce que tu me parlais? Oui, je dis toujours tentativement, mais là, je pense qu'on va arrêter la date. Comme ça, ça va forcer à le faire. Ça va être vendredi le 6 août. Ça devrait être juste 9 trous, un 4 balles, mais 1 balle pour amuser les gens qui, même ceux qui ne jouent pas souvent, peuvent au moins venir jouer puis s'amuser. Puis rappeler un peu, puis ça va nous donner une chance de plus se rencontrer. Comment on va être déconfiné à ce moment-là? Je ne sais pas. Puis on ne fera pas non plus ce qu'on appelle là, un shotgun. On ne partira pas tout le monde à la même pièce. Ça amène partout un peu tout le monde. Mais on va donner des temps de départ. Pour ça. Puis je vais mettre ça sur le site de la chambre là, bientôt. Là, on va envoyer une infolette. Puis on va commencer à lister ça. Si on peut faire une dégustation de bière cette journée-là ou faire quelque chose du genre avec lui. Ça va aussi englober le mentorat, la cellule mentorale qu'on a de la chambre de commerce. Avec les deux. Là, puis si on peut faire, on verra avec toi là, comment est-ce qu'on peut. On peut accommoder ça là, cette journée-là. OK, mais c'est super. Ça, c'est, on va voir les. Puis je m'imagine, on ne sait pas si on va avoir un souper ou whatever. Là, ça dépend tout le temps des règles. Oui, puis si on a. Mais là, nous autres, on n'a pas de traiteur encore, parce qu'on ne peut pas de traiteur, mais de concessionnaire. Mais si on pouvait avoir un souper, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait venir, par exemple, un traiteur là, qui vient quand même un choix d'un pot. Mais ça, on peut s'organiser. Mais c'est plus moi, pour que les gens viennent. Quand tu joues 9 trous, c'est juste à peu près 2 heures, 2 heures et quart. Tu sais, tu as le temps de dire bonjour à tout le monde, ça te sort un peu de la maison. Puis c'est pas trop long pour ceux qui ne jouent pas souvent et qui n'aiment pas passer 6 heures sur le terrain de golf. Puis on peut-tu aller juste prendre de la bière parce que Fred, lui, là, il casse les bâtons de golf. Il n'est pas capable de jouer au golf. On va mettre en charge du cœur de la bière chez nous. Il va en avoir un ramasse dedans avec la glace. Non, mais Véro, comme vous avez fait au Libéron, là, ça serait pas que vous soyez sur un trou et faire déguster vos produits de la bière. Nous autres, on est bons là-dedans. Ah oui, ça serait pas de les avoir sur le trou. Non, il y a beaucoup de choses qu'on va être en place. J'ai un comité de plan d'action. Alain, ça, c'est le seul temps que j'ai du fun dans un terrain de golf. Puis on va, tu sais, je vais avoir besoin des gens comme ça qui donnent des petites affaires ou des choses, puis on verra là, quel prix, ça ne coûtera pas bien cher, mais quand même, on va essayer de faire des cadeaux, faire des petites affaires, puis amuser les gens. Mais je pense que c'est surtout pour se dire bonjour tout le monde, puis se voir la vignette en vrai. Oui, c'est wow, plus, ben plus oui. Ça. C'est un vendredi, fait que ça ne brise pas la fin de semaine complètement, ça commence la fin de semaine. Ouais, c'est ça. C'est sous, puis on va donner plus de détails là, bientôt, là, ça va vraiment sortir. Super, c'est une bonne nouvelle. Puis on va voir, dépendamment de où est-ce que M. Arruda va être dans ses crayons de couleur, est-ce que c'est vert pâle, bleu foncé, pastel. Ouais. J'imagine que le rose devrait sortir un peu plus tard. en poursuite, en tout cas. Parce que l'autre, en Ontario, eux autres étaient dans le gris, tu vois. Ils sont plus.
moins un petit peu flamboyant. Lui, Marula, je l'appelle, il est plus pastel. Moi, c'est plus gris, plus sombre. Mais il y a bleu pâle, bleu mer, bleu voyage, peut-être, le ciel. Si le vieux était devant, et la dame en bleu. Quand il est décédé cette année, c'est clair. Oui. Alors, c'est ça. Mais je pense que ça fait le tour. Oui. Hein? Ouais. Ouais. Hey, une belle dégustation encore. Là, c'est qu'est-ce qu'il en reste encore? Non, il en reste trois. Mais je pense qu'on va se rejaser, là, voir si on continue les podcasts ou non, parce que je te dirais que le samedi, c'est compliqué pour nous autres, là. C'est ça. On va voir. Ben oui. Non, mais je... Mais si les canettes explosent, c'est sûr que ça vous tient occupé, en plus. Pas mal, ça, oui, c'est sûr. Il vous reste-tu des autocollants, là, où vous avez tout distribué, vos autocollants? Non, il nous en reste. OK, bon, là, il y en a qui viennent en chercher. Oui, c'est ça. Donc, Véro, c'est Véro, il prend, il y a un point de chute. Oui, un point de cahier également pour les autocollants. OK, super. Central. Ben oui, on va s'en parler. On peut-tu participer au concours, même si on a un point de chute? Parce que là, moi, j'en prends en photo, j'en ai collé partout dans la boutique, là. Fait que... Envoie-nous ça. Ça marche, là. De toute façon, Véro, probablement, moi aussi, je vois. Là, l'été passé, j'ai complètement arrêté le podcast. Là, je ne sais pas, je vais le garder peut-être aux deux semaines. Ouais, c'est ça. Ça commence à être plus compliqué, là. Ben ouais, ici aussi, puis l'ouvrage, tu sais, c'est ça. On est plus confinés. Fait qu'à un moment donné, il faut travailler aussi. Je veux dire, comme mon frère, il n'y a pas rien que ça à faire. Ouais, du fun, dans la vie. Ben, faut qu'on travaille. Fait que moi, au moins, on a du fun à travailler. Un bon merci à tout le monde. Ça a été bien plaisant. Puis, n'oubliez pas de partager si vous voulez avoir vos passes de golf perso. Donc, toute la semaine, on va te faire tirer ça la semaine prochaine. Partagez la bonne nouvelle. Ceux qui vont le regarder en différé, bien, dégustez avec nous. Envoyez les commentaires aussi sur le petit fil de presse aussi, voir comment que vous avez aimé ces bières-là. Là, on n'a pas parlé, j'ai donné 129. Ah oui, 116? Ah, oh, je ne l'ai pas rentré. Là. Ça pétille encore? Ah oui, non. Ben là, moi, j'étais dans l'alcool. Là, fait que j'ai oublié de remplir ma fiche. Oui, c'est ça. Tu vois que c'est plus compliqué. Quand on est une vraie dégustation de biberon, là, on a 8 à déguster de même. C'est très à la fin. Là, on commence à séparer un peu. Ouais. Et plus plus ça va, moins vite le verre. Fait que une quatrième, pour moi, la toucherait pas. Je peux marcher à la maison. Pas de danger, je peux marcher à la maison. Je veux rassurer tout le monde. Ah, c'est bon. Moi, j'ai donné 74. Ah, quand même. Ah, tu vois, moi, puis Véron, c'est suivi pas mal. Ouais, pas mal, hein. Ouais, on a même. Ben, moi, tu vas tomber sur le cul, j'ai 76 aussi. Ah, non, tu vois. Hey, on suit. C'est pas là, on est tous proches. Excellent, ouais. ben c'est une bonne bière, pareil, c'est une bonne bière de soi, parce que c'était astringé un peu aussi la canneberge, l'acidité, mais j'ai pas trouvé le 40 IBU, c'est vraiment, c'est pas amer, là. Une très bonne bière aussi de notre ami Dom Dom, qui fête d'ailleurs ses 40 ans depuis une semaine, et ça va durer une autre semaine, je crois, avec BDT, ça c'est le restaurant, ça, qui est en l'air, près du petit pont. Oui, c'est ça. Là, tu peux manger là. Exactement, brasseur du temps, oui, c'est ça. Ouais, c'est une belle place à aller, c'est vraiment ça. Excuse-moi, Véro, qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est une belle place à aller pour le reste, pour voir la rivière, là, c'est vraiment ça, fun. Oui, ça va bien longtemps que je suis pas allé là. C'est pour ça que je suis sûr du nom. Oui, c'est ça. Brasseur du temps. Brewer of the time. Yes. Parce que là, tu as le Bas-Canada, puis tu travailles. Ça, c'est ceux qui font compétition avec toi pour la brasserie. Brasserie de l'Outaouais? Oui. C'est ça. Oui, eux autres, Bas-Canada, ceux qui font smoothie. Mais je n'ai pas goûté celle-là. Toi, tu n'as pas chez vous, tu as juste goûté, Véro? Non, oui, on a acheté une. On a acheté une quand on est allé, puis c'est ça, il a goûté hier ou avant-hier, là, puis c'est ça. On l'a partagé à trois, là. OK. Puis ça a l'air que même, tu peux même la mettre sur les toasts. Hein? Oui, quasiment. Je te dirais que, sérieusement, là, c'est assez épais. OK. Aucune bière rendue, là. Ah, j'en connais des gars de même aussi. Bon, alors, on ira pas plus loin là-dessus. Fait que, bien, certains, nous autres ici, c'est ouvert le pub aussi, si ça vous tente de faire un petit tour. Je vois des nuages, ils vendent, mais quand c'est encore soleil dehors, fait que profitez-en pour vous amuser. Faites attention à votre santé, évidemment, santé mentale, santé physique. Là, on est dans le jaune, on est tombé dans le vert, on n'a pas eu de feedback, si l'hiver vient s'en venir bientôt.
Le verre? Oui, ils n'ont pas annoncé rien. Non, hein. Non, parce que moi, je ne suis plus les points de presse parce que j'ai eu une dépression cet hiver, je ne suis plus ça. Moi, j'entends les nouvelles dans les autres. Que... Non. Ils parlent de nous, je pense, à Huntsville, à l'Ontario. On est optimiste, mais on est prudent, puis on s'en va vers là. On s'en va vers le vert, puis le bleu. C'est ça qui compte. OK. C'est vrai qu'on sait que le bleu, en plus, ça va faire un autre objectif à faire. Fait que je mets les biberons, premier novembre, le dernier samedi novembre. Je ne sais plus dans quelle couleur qu'on va être, mais Véro, tu étais là pour le 25e anniversaire des biberons. C'était hallucinant, cette party-là. Écoute, il y avait. On avait ramassé nous autres d'argent pendant 7-8 ans, les biberons, puis on a payé à traite. Écoute, le souper était là, les trois bandes de musique. Puis le monde était tellement. J'ai jamais vu une ambiance de même en 25 ans. Ah oh non, c'était. Ça se levait des chiffres, on avait des frissons. Il y a toutes les brasseries étaient là aussi, toutes les brasseries en compétition. Mais je crois que quand on va se retrouver comme ça, les biberons, ça fait 2 ans, ça va être comme halluciné à tête. Ah oui, ça va être débile. Ah non, ça va être fou, là. Là, on voit que probablement que Louis va pouvoir venir parce que ses notes sont, ils deviennent stables. Puis, oui, il est assidu. Mon nom est proche de Biberon. C'est Biberon. Oui, c'est vrai. Tu vas avoir une chemise comme Fred là, avec les. Ça serait bien une belle chemise. Oui, mais tu ne commenceras pas comme Fred parce que Fred lui a peut-être rajouté trop d'affaires là-dessus. Là. Fait que. Ouais, deux V déjà, puis ils n'ont pas deux V, là, mais c'est ça. Oh. Ça, on va en parler plus tard de ça. Hey, j'ai pas mis ma chemise, mais elle l'avait proche. Ah, bon. Plus de lignes, ça veut dire quoi, je crois. Ben, en fait, ça, c'est chaque chevron, c'est 5 ans de dégustation. Ah, c'est ça? Oui, il y a 5 ans de dégustation au niveau de la chemise. Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est un peu où, la caméra? Oui, c'est ça. Ouais, fait que là, t'as 5 ans. Ça fait 25 ans. Fait que ça fait 5 ans, j'ai fait 5 années. La cocotte, ceux qui ont un tour comme ça, donc la cocotte est fermée, c'est les membres fondateurs. Il y a juste 5 ou 6 qui ont ça ici, puis ça, c'est président de l'international ici. Nous, ça, c'est notre signe, les biberons. Nous, c'est comme ça. Et si on s'en va de l'autre, de l'autre côté, je ne sais pas si on le voit, mais fait que ça, c'est les membres qui sont décédés dans nos biberons depuis les 25 ans. Donc, on a reviré notre logo à l'envers, ça fait comme une tombe. In memoriam, on a notre surnom ici. Ici, ben, toutes les médailles, c'est toutes des médailles d'honneur qu'on a ramassées avec les activités et tout ça. Donc, on voit, ça, c'est, on a fait une dégustation l'année passée, COVID. Donc, il y a un petit monstre de COVID. Ça, c'est le chapitre de Biberon québécois. Il y a des tournois de golf, des tournois de moto. Ça, c'est l'Alsace, la CA. Fait qu'on a tout plein de. On est devenu comme les générales, en fait. Encourager le monde, c'est ça. Fait que, on avait hâte de revenir. Et j'imagine qu'on va trouver un bon parrain, Louis, pour pouvoir accompagner. Oui, parce que ça, c'est après 5 ans, tu as la cocotte. En bas de 5 ans, tu n'as pas la cocotte. Si tu as la cocotte, mais c'est un membre full patch qu'on appelle. Donc, c'est un membre en règle. S'il n'y a pas la cocotte, donc c'est un prospect encore. Parce qu'on a 5 ans de temps pour l'étudier et voir. C'est, parce qu'il y a de l'alcool là-dedans. Hein, on ne veut pas que des tanins ou des. OK. Mais toi, tu en as 3 lignes en haut. Là. Tu parlais de la première, c'est pour ceux qui sont fondateurs, mais toi, tu en as 3 lignes en haut. Ben, c'est parce qu'il aime ça. Ça, c'est le fondateur. Fondateur. Ça, c'est le président du Québec et le président international. Ah, c'est ça. Ouais. Tu avais passé ça sous silence. Mais juste en rappel, là, j'ai 63 ans, ça fait que dépêchez-vous, parce que je ne peux pas le faire à 5 ans, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de chance. Non, c'est ça. Fait que là, le parrain, lui, sa job, ben, c'est son poulain, ben, il faut qu'il le surveille pendant 5 ans. Puis s'il fait des trous, ben, on va voir le parrain, nous autres, avant de voir le prospect. Ah oui, puis fait que sinon, les deux sont exclus, fait qu'il s'en va voir son poulain. Puis Fred, il a parlé du mur de la honte, mais ça, il n'y a pas un biberon, ça c'est vraiment honteux quand je marque son nom en avant, c'est moi qui fais les présentations. Si je marque le nom de la personne en avant, c'est honteux et 3 fois, ben, il ne revient pas l'année prochaine. Fait qu'il y en a quelques-uns qui l'ont eu et qui n'ont pas eu. Tu dis, mettons, si c'est sont en boisson ou quand vous faites quelque chose, puis il y a des fois. Mais en fait, donc, quand que moi, Piro, on fait le descriptif, là. Donc quand je donne le descriptif, en premier, ça s'est passé, c'est silence. Après ça, le monde peut jaser, puis on a du fun, on vote, puis. C'est tout un gros party, mais entre ça, ben, on discute. Puis, mais la première bière, la 8e, c'est plus dur d'avoir la silence. Là. Mm. Mais la 8e, tu sais, qui passe la 8e, la brasserie qui passe la 8e, tant que moi, il y a autant de. Il faut être respectueux, puis écouter aussi le descriptif.
Quand ça commence à cacasser et ça n'écoute plus, ben là, il peut avoir le mur de la honte ou s'il fait quelque chose de différent. Puis, Alain, on a le droit de parrainer combien de personnes par année? Une personne par année? Ben, c'est une personne par année, mais ça dépend toujours parce que là, ça va commencer à saturer parce qu'on n'en prend plus en haut de 200 puis on est rendu à 200. Donc, s'il y en a un qui ne vient pas une année, parce qu'on prend les réservations, s'il ne vient pas à l'année, ben là, tu peux rentrer un membre prospect. Fait que là, ça va commencer à être plus dur de rentrer. Là, on a grossi jusqu'à 200. Il y a quelques de Chris Bleu à l'envers. Ouais, c'est ça. Il y en a qui décèdent. Puis, là, on est mieux de ne pas dire trop fort parce qu'il y en a qui vont peut-être. Ouais, sensibiliser. Ouais, ou sensibiliser ou là, qui vont vouloir en tuer quelques-uns. Ça va pas dire qu'on s'en est un. Ouais, ça c'est un membre, ça c'est un membre. OK, fait que, ben c'est ça. Ben, merci. Ben, merci, Linda, viens partager encore une couple de fois. Oui, on a parlé aussi du mentorat. Peut-être qu'on pourrait venir faire un truc avec ça, parce que ça m'intéresse, parce que c'est un beau concept, oui, tout ça. Mais oui, c'est ça. Mais comme le disait Linda tantôt, je pense que l'été, c'est peut-être un peu difficile, mais à partir de, justement du tournoi de golf, ce mentorat est là, puis il y a des mentors, des mentorés invités, ça va être un bon temps pour commencer à parler de ce qu'on va faire. Puis là, on inviterait peut-être Sam, qui est plus comme la directrice de développement, son groupe pour notre territoire. Mais on a quand même une région qui est assez à grandeur du Québec, qui est pas mal fonctionnelle. On a 15 diables. C'est excellent. On en vise 20 éventuellement. C'est un match-up de les grands décisions. On va être à relancer ça à l'automne plus fort. OK. Super. Pourquoi pas faire un petit hybride avec le tournoi de gars? On pourrait peut-être faire un petit podcast. Inviter des gens de tous les commerces ou inclus. Ça serait le fun de faire une couple de trucs live sur Internet. Maintenant qu'on est habitué à le monde virtuel. Les commerces, je vais le marquer dans les filets. Et tous les commerces, comme tantôt, Véro a dit on prend les clubs pour faire telle affaire. Ouais. C'est une super idée. Mais je vais l'indiquer dans l'infolette. Tous les commerçants qui veulent faire un petit quelque chose, vous laisser quelque chose, vous donner, qu'on puisse faire des cadeaux ou faire. Tu sais, on va le faire. T'sais, si quelqu'un veut s'afficher ou tout, il le fera aussi également. Super. Dis-nous. Excellent. Merci, Alain. Bon, ben, bonne chance. Partagez le podcast et gagnez deux passes de golf. Ben, c'est deux passes doubles. Donc, on s'est dit que c'était plus fun d'être deux. Ouais. C'est bon. Salut, Fred. Salut, Véro. Bye. Salut, tout le monde. Bonne semaine. Merci. Jour se lève, ce matin est mouillé, je remonte mes draps de satin. Un jour vénère et je ne vois rien, je tourne de bord juste par instinct. Encore deux heures, je me lèverai bien, donner le temps que lui le vin. Qu'est-ce que j'entends chez mon voisin? Ça tourne en us de samedi matin. Non, non. Mon Dieu, y'a rien à faire. Non, non. Mon Dieu, sors-moi d'enfer. Non, non. J'étais pas bien fier hier. Non, non. La brosse me jette par terre.